Est-ce qu'on va, <laughs> Est qu va assurer Non Est-ce qu'on va assurer Toi t'as pris un truc aux algues là Je sais pas quoi là Prêt pour moi les gens sur. <laughs> vous pour ceux qui sont déjà habitués ben je réitère le bienvenu vous êtes sur la partie nos souhaits les tontons râleurs euh, sur la page warrior avec blackbeard clyde l'homme qui n'aimait pas les gens l'homme <laughs> qui n'est pas chauve on va régler ce problème tout de suite <laughs> les gars je ne suis pas chauve calmez vous <laughs> non 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 j'avoue il est pas chauve il n'est voilà. pas chauve donc ceux qui disent qu'il est chauve non il se rase les cheveux euh, il coupe ses cheveux moi j'ai une question et répondez-moi dans les commentaires. Vegeta et j'ai eu ce débat avec mon cousin. Qui est Vegeta Est-ce qu'il est chauve J'ai l'impression qu'il a un petit début de quelque chose comme. Voilà parce que moi quand je pose la question les gens m'ont dit que non il est pas chauve. Un petit début de quelque chose. Je Donc, sais je vais pour pas... vous. Okay, Vegeta okay. n'est pas chauve Tu n'es pas chauve Je ne suis pas okay. chauve. Ok, je vois le truc. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Ok, bah faites les commentaires. Est-ce qu'il est chauve ou est-ce qu'il n'est pas chauve Non, si non, non, on n'a pas dit « Est-ce que je si suis Si on se base sur Vegeta. Voilà. Voilà, si on se base. Si sur pour vous, Vegeta n'est pas chauve, je ne suis pas chauve. Ah ouais, mais toi, attaques direct. Tu me laisses même pas le temps. Laisse, attends, laisse-moi le temps d'expliquer. Hein. Attends, on va expliquer. Alors, voilà ce qui se passe. Je vous donne un petit peu euh, l'état d'esprit de ce podcast-là, voilà pour ceux qui sont là pour la première fois. Encore une fois, ceux qui ont l'habitude, bienvenue à vous. Ça fait plaisir de vous voir. N'oubliez pas de liker, abonner, commenter comme toujours et partager la page. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit là. Bref, le truc, c'est nos souhaits et tontons râleur. C'est juste deux gars, deux potes, qui, des fois, on a des débats interminables sur si les réseaux, que ce soit par Instagram ou WhatsApp. Interminables pendant des soirées où on dit tout et n'importe quoi. Et un jour, on s'est dit, bah, ce serait intéressant d'avoir nos échanges, mais de les filmer et de faire un podcast. Et on est du genre à être, comment dire, dans le, comme le titre le dit, nos souhaits, qui veut dire, la parole, elle ne transpire pas, en fait. On, on dit les choses. Alors, je t'ajoute à faire une précision, parce que ouais, le, le podcast s'appelle Nos souhaits, on ne transpire pas. Je vous cache pas, aujourd'hui, il <laughs> <Ouais>, aujourd <'hui. rire> y a moyen que tu vois un petit sueur sur mon front. Oui, aujourd'hui, on Donc, va se mais pas pour euh, la parole. Voilà. Pas pour la parole, pas forcément pour la parole. Donc du coup, on prend un thème, on prend des débats ou juste on échange entre nous et on dit ce qu'on pense tout simplement, sans se mettre de fil, sans se mettre de frein, sans se brider. Et généralement, ça finit toujours par l'un et l'autre, on se met à râler. Parce que voilà, c'est ça, nos souhaits, les tontons râleurs. Donc bienvenue à toi, c'est la première fois que tu nous rejoins sur la page. Et aujourd'hui, on a eu, c'est pas une idée, hein. c'est pas un concept, on n'a rien inventé. Hein. C'est juste que c'est ce n'est pas une bonne idée en plus. Ouais, grave. Ce <laughs> n'est pas une bonne idée. Ça vient de moi en plus. Ouais. J'avoue, je ne suis pas prêt. En fait, je vous explique ce qu'on a fait. Je me suis dit, ça fait un bout de temps qu'on doit faire des, euh, des échanges. Il me propose un plat que je n'ai jamais goûté, je goûte, il fait un truc, et moi je fais l'inverse. Mmh. Et je me suis dit, ce serait bien dans le podcast qu'on teste chacun quelque chose qu'on n'aime pas. Et qu'on aille dans, justement dans la boutique et on achète quelque chose qu'on n'aime pas, et qu'on le teste. Voilà, et comme ça, on sait qu'on l'a testé. Chacun, on choisit quelque chose qu'on n'aime pas et on teste. Je regrette encore mon choix. Voilà, voilà. et lui, il a fait un choix qui est waouh. Alors, autant le mien pour moi, je trouve que c'est un high level, mais lui, là, ce qu'il a choisi, waouh, c'est chaud. Et on a voulu pousser encore plus loin. Et on s'est dit, on va, avec vous sur le, le, le podcast, pour ceux qui ont, ont, sont en vidéo, on va déguster des nouilles un peu précises. Je te laisse donner le ton par rapport à ces nouilles-là. Parce que moi, je suis en train de me demander pourquoi j'ai accepté de faire ça. Bon, vous les avez déjà vues, vous les connaissez. Pardon pour le bruit. Vous avez peut-être déjà vu, dû voir sur YouTube euh, des challenges où vous mangez les nouilles les plus piquantes, les nouilles les plus épicées, les nouilles buldak. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, le podcast ce soir, ça s'appelle Souhait tout court. Ah ouais, ça va être ça. Ça, on n'a pas encore le titre de la vidéo, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va avoir du souhait. Alors, tout en sachant que la personne que vous voyez là est allergique au piment, <laughs> je ne comprends pas pourquoi il s'inflige ça. C'est vrai qu'il faut mettre bien, il faut dire tous les termes. Je suis allergique aux épices forts, en fait. Tout ce qui est épice fort je suis allergique. Donc le piment en fait partie. Euh, même certains types de, de, de curry, tu vois. Ouais. Il y a certains types de curry que je ne peux pas prendre. Le curry composition de plusieurs épices, tu vois. Donc, il euh, y en a que je ne peux pas prendre. Parce qu'une fois que je commence à en consommer, tout gonfle. Je, tout, tout gonfle. Si je transpire, je, je la, le lait qui coule. Alors, vous allez me dire, oui, ça arrive à tout le monde qui mange du piment, ou de trucs épicés. Mais pas à mon level, les gars. Donc, je ne sais pas comment je vais terminer cette vidéo-là. Nous ne savons pas. Nous je... allons le découvrir. Ah bah... enfin, moi, je vais bien finir en vrai. Je ouais, oui, il oh. n'y a pas de souci. Mais vous voulez voir, nous, on, on, je ne vais à rien fake. je Rien n'est fait, rien n'est préparé. C'est vraiment tous nos podcasts. c'est L'idée, on est là. On, on a l'idée, on y va, on, on la lance et on la fait. C'est ça. Bon, est-ce que tu veux présenter en premier euh, ce que tu as choisi Ah, mais tu pas pris. Tu l as je ne sais même pas comment présenter en vrai. Ah, si, tu as pris, c'est bon. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça. Vas-y. C'est des produits, on va dire, c'est des produits asiatiques. Ouais. Et toi, tu as choisi des produits chinois Alors, ça s'appelle Chin Chin. Ça s'appelle vraiment comme ça, Chin Chin <laughs> Bah écoute, il euh, y avait une paire de lunettes... Euh... Chin Chin. Et c'est pas d'Afflelou, hein. du coup. Voilà, voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais ma boisson, je regrette. Ouais, elle a, elle a euh... base de quoi, ta boisson, en fait Boisson au gelée d'herbe. Oh putain. Ouais, hey, honey flavor. Ah, il y a, y a du miel dedans Ouais. Eau, gelé d'herbe, sucre de canne, amidon de maïs, miel. Ça peut donner un truc intéressant. Voilà. voilà dans quoi je me suis engagé. Ça peut donner un truc intéressant. Ça a intérêt parce que, en vrai, je vais le boire. mais pas grave. OK. À mon tour. Alors, il y a un ingrédient qui fait partie de mon top 5 des trucs que je ne mangerai jamais de ma vie. Mais quand je vous dis jamais, là, ce que, vous, ce que je vais faire, là, c'est la première fois de ma life que je vais le faire. Et sous une forme encore pire pour moi, c'est l'Aloe Vera. Personnellement, l'Aloe Vera, c'est quelque chose qui se met pour moi soit sur la peau ou dans les cheveux. Ça ne se, ça se gère pas. Et j'ai choisi, voilà, ça, cette marque, euh, je ne peux pas vous donner c'est quoi le nom de la marque, c'est Aloe. Aloe, Aloe Dream, Aloe Juice, boisson d'Aloe Vera. C'est coréen. Celui-là, celui-là, il est coréen. Et on va voir ce que ça donne. Et entre temps, voilà mon plat. Moi, je vais commencer parce que je sais qu'il est en train de gâcher du temps là. Il est en train. Vas de... Vas-y, ok, on va y aller, ok, ok, ok. On va y aller, on va y aller. Bon appétit. C'est parti. Et appelez, en même temps, appeler les pompiers. On va faire comme on fait d'habitude, euh, évoquer nos différents. Euh... Donc, on a discuté cette semaine. Il euh, y a pas mal de choses de, sur lesquelles on a discuté là, cette semaine. Hein. Merde, on a, on a dit tout à l'heure. en plus. A... Ouais, c'est vrai. En plus, euh... ah oui, on a parlé cette semaine. On a. Semaine dernière plutôt. On a beaucoup, beaucoup parlé des euh, les Youtubers qui, qui arrêtent euh, tout ça là. Ouais. On a eu ça déjà. Je fais le récap. Oui, oui c'est vrai que la semaine dernière, on avait parlé. Non, la semaine... On a parlé la semaine dernière, oui. Je suis en train de tout mélanger, mais je n'ai pas envie d'y aller. Moi non plus. Que fait le pas envie, je suis en train de faire le balala, mais je n'ai pas envie d'y aller. Ça se voit que je n'ai pas envie d'y aller. Mais en gros, il ouais. on y avait des options de sujets et... Euh, bah, Là, on s'est arrêté sur le... les choses qu'on n'aime pas, les anecdotes qu'on a eues en tant que photographe, vidéaste, les choses que des clients font, des gens font et que. Non, arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Arrêtez de faire ça. Parce que. On bosse derrière, quoi. Et quand vous faites certaines choses, c'est assez frustrant de voir son travail détériorer. Donc, euh, je pense que pour l'instant, on va parler de ça. Et après. On verra si on bifurque comme d'hab sur un autre sujet ou pas. Oui, c'est vrai qu'il y a des choses que, quand tu livres, que ce soit une photo ou une vidéo, que certaines personnes font, que je n'apprécie pas énormément. Alors, je ne vais pas dire je n'aime pas pour ne pas utiliser de mots trop violents pour vous, mais je n'apprécie pas. C'est vrai que vous pouvez faire ce que vous voulez avec Avec l'image, avec les vidéos et tout ça. ouais, je suis d'accord, c'est votre image, machin et tout ça. Mais. Ça reste quand même une proposition artistique, si je peux le dire comme ça. Il y a quand même un travail derrière. Et il y a parmi ces choses-là, moi, ce que je ne supporte pas en, en photo, qu'on me fasse quand je livre des photos, c'est quand je vois la personne mettre dessus un filtre Instagram. Ouais. Ne faites pas ça, s'il vous plaît, les gens. Parce que vous, déjà, vous détaillerez l'image vous détaillez la, la réputation de l'artiste l'artiste parce que ça reste de l'art mais ne faites pas ça parce que nous on s'est cassé la tête à faire un rendu on a réfléchi sur le son l'étalonnage la qualité et vous vous mettez des filtres et l'image est floue quand ça ressort sur les réseaux en fait c'est notre image qui est mise en jeu donc non ne faites pas ça faites pas ça c'est au pire en vrai non faites le pas faites le pas il n'y a pas à faire nous n'apprécions pas et déjà, commençons par la base. On va commencer par la base de. Quand vous, quand vous venez nous voir pour nous demander, réfléchissez un peu à. Vous, on va parler budget. On va parler concrètement, on va parler budget. Venez pas nous voir avec des budgets qui ne sont pas cohérents avec vos projets. Tu peux pas me demander un projet que tu veux réaliser, on va dire, avec un rendu cinématique, un rendu gros budget. Et tu viens me dire, quand je te demande ton budget, tu viens me dire, oui, 150 euros, 200 euros, un truc comme ça. Soyez cohérent déjà dans votre budget et ensuite après venez nous voir, mais venez pas nous voir avec j'aimerais faire ça tiens regarde j'ai vu ça sur internet j'aimerais avoir ça tu peux l'avoir mais si tu vas avoir ce résultat que toi tu m'envoies mets le prix faut mais le suis prix je suis en train de mourir là ouais, je sais c'est pour ça que je continue à parler <laughs> écoute je vais essayer de prendre le relais suis sur le côté qui est en train de mourir le truc à dire, c'est que je vais rajouter ce qu'il dit à. Alors, vous avez potentiellement, vous avez un budget alloué pour votre projet. Quand vous approchez le prestataire et que vous lui demandez et que vous lui dites, voilà, j'aimerais faire. Par exemple, tu veux un shooting. Tu dis, voilà, j'aimerais faire un shooting et tu as un exemple en plus. Tu montres l'exemple que tu as pris sur l'Instagram d'un autre photographe et tu montres cet exemple-là. Tu me dis, tu veux ce shooting-là. D'accord. Moi, je peux le faire. Bien évidemment, je vais te donner un prix qui va avec le résultat que tu demandes, OK À ce moment-là, le fait que tu cherches à négocier le prix, moi, ça me dérange. Parce que toi, tu ne sais pas, je ne vais pas dire que tu ne sais pas combien ça vaut, hein, tu ne sais pas combien ça coûte, tu ne sais pas potentiellement combien ça a été, entre guillemets, le budget qu'il a fallu, les moyens qu'il a dû mettre en place pour avoir ce résultat-là. Le professionnel, lui, qui normalement s'y connaît un peu mieux... C'est lui qui te donne le prix. Imagine, tu rentres, je prends toujours cette, cette image-là avec les véhicules. Tu rentres chez Ferrari, gars. Non, bon, ils vont me dire que je me mets à la hauteur de Ferrari. Je vais, je vais rester chez Audi parce que j'aime bien Audi. Tu rentres chez Audi et... Vous allez dire, vous ne le voyez pas, mais si, vous le voyez, regardez bien. Moi, j'avoue, j'ai rajouté la sauce racha parce que ça pique pas. Tu vas chez Audi et tu as NRS, toi. Et tu dis, je voudrais, je voudrais ce véhicule-là parce que tu l'as vu chez quelqu'un. Donc tu vas chez Audi, tu veux, tu dis je veux une resta. Et le gars il te dit ouais ben, ce modèle là il coûte 32 000. Et tu dis ah oui mais moi j'ai que 6 000 euros. Ah, ben il va te dire ben non ben non vous aurez pas un resto en fait. Et vous pouvez pas dire au gars ah oui mais je n'ai que est-ce qu'on peut négocier je trouve que c'est trop cher non c'est le prof... le gars il sait combien il a mis il connaît les moyens mis en place pour avoir ce type de véhicule là donc par respect pour le prestataire Évitez d'emblée, quand vous arrivez, de tout de suite vouloir négocier le tarot euh, du, du prestataire. Sauf si vous êtes. Ouais, sauf si c'est abusé, tu vois. Il y a des trucs, ça peut être abusé. Alors, oui, je suis d'accord. Alors, là, pour enfin, négocier, je ne dirais pas ne pas négocier. Non, je... non, oui, mais je vois ce que tu, tu vois, veux Je ne dis pas ne pas négocier, mais tu sais, oui, mais tu as. direct dès le départ. Direct, oui, ah oui, oui c'est trop cher, est-ce qu'on ne peut pas baisser le prix Ouais, mais tu m'as demandé ça, tu vois. Et ça, ça vaut ça. Après, bah après, en vrai, je peux baisser le prix. Oui, mais on enlève des mais, choses. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je, on peut baisser le prix. Si tu me dis, ah, c'est compliqué, vous allez voir la nuance. Ne me dis pas, ah, c'est trop cher en essayant que je, te fasse le, que je te fasse ça moins cher, mais pour le, exactement la même chose. Dis-moi, ah, ce n'est pas dans mon budget. Est-ce qu'on peut trouver un arrangement avec le budget que je te donne Là, il n'y a pas de problème. On verra s'il faut enlever des choses, on enlèvera pour que tu rentres dans ton budget. Donc ce ne sera peut-être pas ton projet comme tu l'as vu imaginer à 100%, mais à 80%, à 80% pardon, on va trouver un arrangement, on va se mettre d'accord et tu auras ton truc. Mais viens pas me dire, ah c'est trop cher, tu vois, parce que c'est pas trop cher. Tu juste pas les moyens, point barre en fait. C'est ça la différence. Parenthèse, j'ai rajouté la saucerie Racha et je vous assure que ça passe mieux que la première fois je chantais pas. Euh, désolé pour les bouilles, les gars, mais je commence à avoir les nez qui coulent et tout. Euh, je ne suis pas bien. là. Je pense que... Après quand je vais consommer l'Aloué Vera, si ça se trouve, va ça, te va te être, soulager, ça va ouais. être avec mon meilleur ami. Ouais. Mais on va voir. Je vais aller jusqu'au bout. Hein. En fait, eh, voyez... Je ne vais pas mentir, je vais manger tout le plat. Là, vous voyez deux salles ambiance Il y a un mec en toute détente en train de manger. Il y a un est en PLS. Et il y a l'autre là-bas qui est en train de souffrir. Et j'essaie de... Et je vous jure que c'est moi qui ai les plus piquantes, ces albums. Je vais faire une petite story time. Un truc que j'ai eu avec un, un client, et c'est à partir de là que j'ai dit que plus jamais, plus jamais je fais, je fais ça. Donc désolé si à cause de ça, il y en a beaucoup qui entre guillemets qui prennent, tu vois, mais... Ah oui, d'ailleurs, oui. Même si vous vous reconnaissez dans, mes pa dans nos paroles, en fait, c'est pas visé contre vous. Ouais, voilà, c'est ça. Même bien si que on s'est parlé dise. il y a quelques jours, quelques semaines, et que, voilà... C'est pas vous contre vous, en... c'est les faits. pas fait. contre vous, en fait. Les faits vraiment... sont les faits. Nos souhaits, on parle, on dit les choses. On donnera jamais de noms. Je ne dirai jamais les noms. Pas, pas, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour faire du, du buzz ni euh, du beef et compagnie. Moi, je peux les dire personnellement. Moi, je ne donnerai pas les noms. Voilà ce qui s'est passé. J'ai quelqu'un qui m'a approché pour une vidéo, pour faire une réalisation de, vi de vidéo type louange, euh, musicien, machin, tout ça. Il m'a dit, ouais, j'ai un groupe, on est quatre. Euh, moi, je chante, il y a quatre musiciens, et un chanteur, et puis on aimerait avoir... Euh, une vidéo pour mettre en avant une de, notre chans de nos chansons. Et j'aime bien ton travail, j'aime bien ce que tu fais, j'aime bien la qualité, ton tout ça, tout ça. Bref, es parti dans ce discours-là. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'ai dit OK. Donc déjà, pour moi, techniquement, c'est verrouillé. Le visuel et le travail que je fais, c'est mmh. déjà validé. Donc tu as une pression en moi. J'ai dit OK. Donc là, je lui dis, je parle même pas encore budget. Hein. Je lui dis, pour être sûr que je suis la personne qui correspond à votre projet, ouais. donnez-moi des exemples. Envoie-moi des exemples de ce que tu veux. Elle m'a envoyé l'exemple de, de ce qui se fait euh, outre-Atlantique aux États-Unis, machin et tout ça. Mec, big scène, des, des lumières de partout. Désolé. Ça, ça veut dire que ça commence à travailler là. Je crois que ça commence aussi à monter chez moi. <laughs> ça commence à taper. Donc, euh, big scène et tout. Et Il y a au moins tous les, je vais dire, tous les à peu près 4, quatre, entre 4 et 6 temps, temps sur, la, sur le morceau, il y a au moins deux passages de caméra différentes. Ouais. On voit des fois, on voit le guitariste qui joue, on voit la foule, on voit les gens. Il y a plusieurs passages de scène, il y a plusieurs passages de caméra, il y a plusieurs passages d'ambiance, il y a du mouvement, il y a du statique. Moi, je regarde le truc, je fais, ouais, là, franchement, la vidéo, elle est propre, elle est stylée. Et tu as la belle big salle et tout. Donc, euh, moi, donc, je regarde la vidéo et je reviens vers elle. Et je lui dis, j'ai vu la vidéo, j'ai vu ce que vous demandez. Est-ce que vous voulez. Exactement ce qui est là où vous voulez qu'on se rapproche au maximum. Elle me dit je veux qu'on se rapproche au maximum de ce que je vous ai montré. Pas les mêmes plans, pas les mêmes trucs, mais que ça donne le même ambiance, le même. J'ai dit ok. Et là je commence à lui lister tout ce qu'il faut. Ouais. Donc je liste tout ce qu'il faut. Je lui dis ben si vous voulez avoir ce, ce type de, de profondeur de champ, de d'image, de, de flou comme vous avez vu. Bah, il faut de la distance entre les musiciens. Donc, pour de la distance entre les musiciens, il faut de la place. Donc, il faut que l'espace que vous allez prendre soit assez grand pour qu'on puisse bien vous positionner. On puisse mettre de la lumière partout pour vous éclairer, qu'il ne puisse pas avoir d'ombre. Tu vois, je lui dis tous les trucs. Et après, je lui dis Ça, ça coûte tant. Mmh. Donc, je lui dis Ça, ça coûte tant. À l'époque, je n'étais pas assez. Euh, en termes de relations cl cl clients avec les gens, tu vois, je n'étais pas assez requin. Ouais. Quand je dis requin, c'est du style le requin pour. Pour savoir ce qui est bon pour lui, il mord, il goûte, il n'a pas de bras. Donc, c'est pas contre toi. Il voit un truc, qui bouge. Est-ce qu'il peut le manger pour le savoir Il va croquer dedans. Ok, toi, en passage, tu as perdu ton bras, mais voilà. Ouais. Tu, vois, tu vois le délire Donc, moi, je lui, moi je me dis, je lui ai proposé ça, je lui dis, ça lui fera tant. Elle me dit, oui, mais est-ce que pour... Elle m'a dit, je n'ai pas, pas ce budget-là. J'ai tant de budget, et est-ce que pour ce budget-là... On peut pas faire pareil. Je dis ben en fait non parce que en, en gros tu vois la vidéo en gros ça lui aurait coûté, euh, allez je vais dire ça à peu près comme ça ça fait 12K tu vois. Ouais. Pour le tout complet parce qu'il faut les techniciens, il faut la lumière, il ouais, faut du monde. C'est ça que j'oublie surtout, c'est pas c'est que vous vous voyez un truc et vous dites il y a juste un mec derrière qui tient une caméra et point. Ça, ça ça lui refait genre dans les dans les dans les 12K. Et encore, je suis gentil hein. Je me suis dit, en, en allant minimiser certains trucs. Ouais. Elle m'a dit, non, elle n'a elle a que 500 euros. En vrai, ouais, même 500 euros, même au téléphone, je te le fais. Toi. Mais tu as, tu as que 500 euros, tu ne sais pas en fait. Je comprends. Tu penses que qu'avec 500 euros, c'est suffisant. Moi, tu me montres ton extrait et je te dis que en fait, ça coûtera plus. Et elle me dit quoi Non, il faut arriver à ce que on est la même chose, mais avec les 500 euros. Non, là, c'est de, mou... de la mauvaise foi. Vous allez dire que... Attends, tu m'as dit, c'était pour... C'était pour une vidéo, genre musicien, qui se sur un titre... Hein À l'église euh, non. non, chrétien. Chrétien, chrétien, je, je veux dire. dire. Chrétien. Vous allez dire que je suis mauvais avec vous, les gars. Doser, en vrai, doser. Non, 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 non. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Et puis, honnêtement, je pense qu'elle le savait très bien, que tu n'as pas ce résultat pour 500 euros. Elle voulait juste te lâcher 500 euros. Mais je pense que dans le fond, c'est très mince, t'en as pour plus de 500 balles. Le problème que j'ai failli avoir, mais au dernier moment, je me suis rétracté parce qu'on n'arrivait pas à trouver une, un, un créneau, mmh. en termes de date, c'est qu'elle était vraiment en mode « Ah non, c'est possible, c'est possible, si on fait ça, si on fait ça. » Et c'était il y a longtemps, tu vois. Ouais. Donc, elle me drivait en mode « J'ai l'habitude, on m'a parlé de toi, je sais que tu fais du bon travail, tu verras. » Ce ne sera pas la première fois que je vais te demander des vidéos, tout ça, tout ça. On en fera plein parce qu'on a un groupe. Je n'ai pas qu'un seul groupe, j'ai plusieurs groupes. Et moi, je suis là, tu vois, tu débutes, tu te dis en même temps, ça peut être bénef, tu vois. Parce que tu dis bon, après, tu vois, tu es, es capable limite de te dire bon, allez, ça reste quand même un, un, un bon prix. Mais là où j'ai eu de la chance ce jour-là, c'est que quand elle m'avait proposé ça, ouais. la date qui lui convenait, j'avais un autre truc de prévu et c'était un mariage. Impossible de décaler. Donc je lui dis, je l'aurais fait, mais là, la date que tu proposes, que tu as besoin, je ne suis, suis pas dispo. Et je pense que, ça, avec du recul, je me dis souvent que c'est quelque chose qui m'a sauvé dans, je vais pas dit ma carrière, mais voilà, dans, dans mon bah, développement vraiment. Vrai, hein. Je pense que je me serais tellement foiré sur ce truc-là. Oui. Tu vois, je me serais tellement foiré que ça m'aurait donné une telle mauvaise ensuite image ou réputation derrière. Parce que parfois, les gens, ils oublient. Et ça c'est un autre truc que je déplore avec euh, avec certains, pas tous hein, mais avec certains, certaines mentalités, c'est que des fois dans une journée sur un tournage ou sur une prestation, ça se passe pas bien parce qu'il y a des problèmes d'organisation par exemple. Mais comme le dernier le dernier bastion, le dernier rempart, c'est le vidéaste ou le photographe, ouais, c'est ben toi cool. qui prends tout. Si par exemple la tonton il s'est fâché avec euh, avec la fille, et puis tout le monde a fait la, la gueule pendant toute la journée, pendant la cérémonie, par exemple, tu vois. Et personne n'a décroché un sourire, et toi, tu es là en train de filmer, tu essaies de trouver quelque chose. Personne veut se personne veut danser, la mariée, elle est fâchée contre le marié, le, tout le monde a le visage fermé. Toi, tu dois quand même livrer, donc tu livres ce qui se passe. Tu n'es pas un clown, tu n'es pas venu faire de le spectacle, tu n'es pas venu faire l'ambiance, tu vois. Tu n'es pas le DJ, mmh. tu es le vidéaste. Et j'ai dit, ouais, mais tu aurais dû euh, enjailler les gens. Non, je ne suis, je suis, suis pas là pour ça. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas ce discours-là, tu vois. Je sais qu'il y en a qui sont là. Il faut faire partie du truc. Oui, quand c'est donnant, donnant. Mais tu n'as pas, pas commandé un clown, en fait. Tu n'as pas commandé un gars pour venir faire euh, mmh. le mariole, pour te faire rire, pour avoir des, 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 des belles images sur la vidéo. Non, mais je suis d'accord. C'est vrai. vrai que du coup, c'est toi qui vas prendre tout. Mais ouais, non, les gars. Vous ne pouvez pas rejeter vos vos erreurs sur l'instant, sur nous. Parce qu'on peut réparer, on peut réparer les petits trucs, on peut combler, boucher un trou, tricher, mais il y a des choses qu'on ne peut pas. On a dû s'occuper des trucs. Et après, tu me dis que oui, ils ont dit, ouais, mais la... j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Les gars, non, on ne peut pas. On ne peut pas. On comble vos retards, vos erreurs, tout. On n'est pas des magiciens, en fait. On n'est pas des magiciens. Ce qu'on. Le résultat final qu'on vous montre, c'est ce que vous, vous avez donné. Si vous n'êtes pas satisfait, s'il y a des erreurs, ce n'est pas nous. Nous, on a capturé l'instant, mais on ne peut pas mentir. On peut, mais pas totalement. Ça va Moi, j'avoue, je suis sur la fin. Mais je suis déçu parce que vraiment, je ne sens pas comparé aux premières fois où je le taper Parce que pour rajouter de la sauce, la chose en plus. Je vais arriver, je vais signer. Hein. En fait, des fois, ça peut arriver que. Moi, je suis honnête, ça peut arriver que sur des trucs. Il y a des ratés. Combien de fois ça m'est arrivé d'avoir des ratés Soit un, tu as mal géré la caméra, tu as mal géré le, le mouvement, tu as mal géré le montage, ensuite derrière, et ça peut ne pas plaire, tu vois. Il peut avoir ça. Tu sais que ça m'est arrivé. Ça, il peut avoir ça. Et escroc que je suis, bon, je vais raconter, je bossais sur un clip et euh, moi je m'occupe des backstage. En général, de toute façon, en général, toujours je m'occupe des backstage. Et en gros, bah, c'était l'époque où je n'avais pas encore de caméra. Je faisais mes backstage avec mon téléphone et j'avais l'application Filmic Pro. Mm. Et en fait, j'ai mal réglé. J'avais mal réglé la vitesse. Mm. Donc, c'était pas naturel du tout. Quand tu regardes le rendu, rien, le rendu, rien n'est naturel. Je n'ai jamais envoyé les vidéos. Mais en fait, le problème, c'est que la personne, je lui fais les photos. J'ai jamais eu de retour. Mm. J'ai jamais eu de retour j'ai jamais je j'ai jamais su si les photos ça lui avait plu bon j'ai vu que si parce qu'après elle en a publié sur les réseaux tu vois mais j'ai jamais eu de retour pour savoir si c'était bon ou pas donc en vrai je me suis dit bah, tant que j'ai pas de retour pour des photos je vais pas me prendre la tête pour des vidéos tu vois la personne je lui en veux pas hein je lui en veux pas mais euh, je m'étais foiré mais par chance j'ai eu cette chance de ne pas avoir de retour qui a fait que j'ai pas eu à, à lui envoyer les photos les vidéos parce que vraiment si je devais lui envoyer c'était inexploitable c'était moche c'était pas naturel c'était grave pas naturel. Mais bon, j'ai eu de la chance cette fois-là. Moi, ça m'est déjà arrivé hein, d'avoir mal géré euh, sur un set ouais. pour une artiste euh, qui performait tout. Alors, à la décharge, il y avait une vieille lumière. Il n'y avait pas une très bonne lumière. Mais moi, pas... gars, je n'ai pas... Regarde, je vais pas y arriver. J'ai tout... J'ai fait une accélération. J'ai tout pris là. Non, ouais. les gars, je vais, bon. je vais, je vais tester directement la Désolé. C'est vrai, vrai que quand on a... Alors, le point de la lumière, c'est vrai que moi, du coup, bah, c'est grâce à toi en plus. La première chose que j'ai appris à essayer de gérer, je ne veux pas dire que je vais le gérer à la perfection parce que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais la première chose que j'ai appris à gérer, c'est la lumière. Avant même d'apprendre les réglages, vitesse d'obturation, iso, machin. Je vous jure, je connais les noms, je sais ce que ça fait, je ne pourrais jamais vous les expliquer. Par contre, la lumière, je sais la gérer. Je peux la gérer. Et c'est vrai que sur un tournage, c'est compliqué. Si tu n'as pas de lumière.. C'est très, très, très compliqué à gérer. Poto, c'est grave bon. Sérieux C'est grave bon, en fait. Nous, nous vivons une révélation, le gars... Mais c'est grave bon. Le gars a découvert l'aloe vera. Non, mais celui-là, là... Ouais Il est grave bon. Je en vois. fait, c'est pas du tout euh, ce que je pensais. Mm. Franchement, je suis agréablement surpris. Après, je sais pas si c'est parce que j'ai la bouche en feu et les organes qui vont exploser qui fait que... Moi j'avoue que j'ai Ça rien. fait ce qu'il faut. Moi ça me pique pas comparé à d'habitude. j'ai même pas enlevé mon bonnet. Tellement pour vous dire que si j'ai mon bonnet sur ma tête, c'est que ça ne me fait absolument rien du tout. Je m'attendais vraiment à pas aimer, mais contre toute attente. Ouais. C'est grave bon. Tu as goûté Mets-moi dans mon verre vite, fait, s'il te plaît. C'est vraiment bon. Et je suis, je suis agréablement surpris, surpris. Waouh Ça sent grave bon en fait. Tu vois Je m'attendais pas du tout. J'avoue. Bon là, vous êtes dans la partie où on est en mode freestyle. Hein. Là. de toute façon vous connaissez le podcast il y a une voilà en fait il y a une trame et on improvise oh on est d'accord ou pas ouais save for later il y a peut-être un petit truc derrière qui me dérange mais je sais pas, non même même pas parce qu'au début quand tu prends une seule fois c'est assez spécial alors je vous fais mes impressions c'est assez spécial parce que quand tu fais une première fois il y a un arrière goût tu vois parce que c'est la première fois le temps que le cerveau il réagisse et la chercher où il connaît cette saveur et il se dit ah ben non je connais pas j'ai jamais vu ouais. je ne connais pas mais c'est pas mauvais donc le deuxième que tu prends comme le cerveau l'a déjà enregistré en ah oh ben c'est pas si mauvais que ça ça devient bon et là j'avoue mec mais vous, je, en vrai je m'attendais vraiment à un truc dégueulasse mais moi même mais là, pareil le début, et moi je moi faut que je goûte ma boisson oh ta boisson là je sens que ça mais va être pire ma boisson aux herbes, là, je la vois il me fait de l'œil mais gage oh là de... là Save for later, mais je vais repasser. Ah non, mais c'est trop bon ça. Hey, vous m'avez perdu là. Là, là. Ah, vous allez voir sur mon insta. Vous allez souvent je me voir voir ça. Coup, il a sa révélation, les gars. Ah, mec, les gars, non. Eh, hey, les gars. Pardon, je demande pardon à toute la communauté coréenne pour avoir vu ça énormément de fois dans le magasin et ne l'avoir jamais pris parce que j'avais des préjugés et je disais que c'était pas bon. J'ai négligé, j'avoue, j'ai négligé. Aloe juice, mm. boisson d'aloe vera. Peut-être que c'est la seule que je goûterai. Je ne pense pas que j'irai chercher une autre marque. Mais celle-là, là, je ne sais pas si vous la voyez bien. Celle-là, elle, elle est excellente. Alors, comparé à tout ce que j'ai déjà bu, non, parce que c'est la seule que j'ai déjà bu. Ouais. Mais elle est excellente. Moi, je vous avoue que je suis un peu déçu. Parce que mes nouilles-là, elles ne me font aucun effet. Ah, mais Vraiment, mais c'est bizarre. Parce qu'en général, quand je les mange, je finis une torse nue chez moi, je vous la fenêtre. Tu n'as pas la même tolérance que moi, mon gars. Mais euh, ouais, là, à l'aise. On va passer à la Chin Chin. Ah ouais. À ton tour là. Déjà, ça fait cheat. Ouais. Je pensais pas que c'était un truc gazeux. C'est une bonne ouais. nouvelle, ça a fait cheat. Je vais gasser, casser mon verre. Belle couleur. Ouais. Belle couleur. Alors on est. Regris. Route beer. T'as déjà goûté du roux de beer Non. Un goût de médicament, bah, je vous assure que j'ai peur de goûter. Ah, au final non, je vois, li... je vois la couleur là. Je n'ai pas que trop confiance. C'est pas bon. <laughs> je après, il faudra rester le verre. Hein. Pourquoi, je... Hey, pourquoi je fais ça Goûter. Hein. Purée. Déjà. Mais en fait, je sais même, je sais même pas comment. Vous... Je sais même pas comment vous expliquer. À quoi ça peut Un médicament. Oh, c'est chaud. Et on dirait un jus d'herbe. Ça l'odeur du jus d'herbe. Mais bah c'est ça en fait. Au début, j'allais dire non pas si, vitamal. Non non attends, non, attends, attends, avant de dire vitamal, attends, attends, attends. laisse-moi y aller. Il y a un léger goût de vitamal, tu verras, mais qui part très vite. Une, seconde, une demi seconde t'as le vitamal et ça part. Ah après. non, j'ai eu aucun j'ai aucun vit... Je eu le vitamal. Je peux pas fi... Je peux pas finir ça. Mon cerveau il a dit non direct. Non en vrai moi, j'aime pas hein. Non, ouais. mon cerveau il a dit non direct. J'aime pas vera. la, la c'est passé, tu vois. Mais là non non. Je pense qu'on n'est pas encore prêt pour euh, l'autre catégorie qu'on avait dit où on essayait vraiment des choses. Euh, moi, je suis prêt. Hein. Qu'on n'aime pas. Non, moi je suis pas prêt, je sais que je suis pas prêt. Regarde, j'aime pas et pourtant je le bois. Non mais il y a une différence entre j'aime pas et c'est pas bon. <laughs> c'est pas non. bon. Il y a une différence, tu vois, on peut revenir à la vidéo, c'est exactement ça. Un autre exemple. Le truc que j'arrive pas à... En tout cas, je sais que j'ai un travail à faire sur moi-même sur ce sujet-là. Ouais. C'est exactement ça. Quand les gens ils me disent "Tu termines la vidéo" et ils te disent « Ouais, la vidéo, elle n'est pas bien. J'aime pas, la vidéo, elle n'est pas bien. » J'ai vu des morceaux dans la, bou... ah la cage. <laughs> J'ai vu un truc. Oh, putain. Et tu vois, la personne, elle te dit juste « Ouais, j'aime pas la vidéo, elle n'est pas... pas bien j'aime pas la vidéo. » Alors que la vidéo n'a aucun problème, ni de son, ni de lumière, ni de truc, ni machin. C'est une bonne vidéo, tu vois. Mais la personne n'aime pas la vidéo et elle dit que la... comme elle n'aime pas la vidéo, c'est pas une bonne vidéo. Moi, je fais cette différence-là entre ce que tu n'aimes pas et ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas bon ou que c'est oui. mauvais. Tu vois, c'est ça. Parce que du coup, si tu dis à la personne que ça, c'est mauvais, euh, tu te statues sur quoi, en fait Tu te statues sur ce que toi, tu estimes être dans, le catégorie, dans la catégorie ouais. bien ou mal. Dis que tu n'aimes pas, par exemple, soit le montage, soit les images. OK, ce n'est pas ce que tu espérais, tu n'aimes pas le résultat. Mais ne, oui. dit, ne va pas dire du coup que c'est pas une bonne vidéo. Parce qu'ensuite, la pub que tu vas faire, c'est Ah, la vidéo, elle n'était pas bonne. Et les gens, quand ils vont voir la vidéo de la personne, dans leur tête maintenant, ça, c'est pas une bonne vidéo. Alors ouais. que tu regardes la vidéo, tu le donnes à une autre personne, elle va pas voir qu y a un, que la vidéo n'est pas bonne. Elle va te dire Ok, c'est pas mon style, ni mon délire, c'est pas ma vibes et tout. Mais c'est pas que c'est pas une bonne vidéo. Là, tu vois la nuance. Si, je vois, je vois. Et dans le, même, dans le même principe, tu as aussi le côté où euh, la personne te donne des directives. Ouais. Elle te dit je veux ça, je veux ça, je veux ça. Euh, je ne je vais, je vais, bon, vais pas donner des précisions. C'est un peu embêtant quand tu ne peux pas amener des précisions. Pr mais bon, je vais, prendre, je, vais, je, vais, je vais le faire comme ça. Je vais faire comme ça. Euh, il y avait des morceaux dans ma boisson. Il y avait des morceaux aussi dans, dans, dans le mien. Mais, ouais, ça, mais ça passait bien. Ça passait bien, toi. Mais toi, là, je ne sais pas. Ah, pas. C'était sur quoi C'était sur un événementiel. C'était sur un, un événement. Et euh, donc du coup, la personne me fait le débrief, le responsable me fait le débrief. <laughs> il me dit voilà, il va avoir ça, il va avoir ça, il va avoir ça. Les, les mannequins vont passer, vont défiler avec les vêtements. Elles vont, elles vont prendre ce chemin-là et tout. Elles vont passer par là, tout ça et compagnie. Bref, il monte le chemin dans la salle. Je fais ok. Donc moi, je mets les lumières, je mets les cams, je mets tout, je suis prêt. Ouais. Avant que ça commence, ils changent. Ouais. Avant que ça commence, ils ont, ils ont changé. Euh, l'ordre d'entrée. Genre, ça devait entrer, euh, genre, de là-bas vers ici. Mmh. Et il décide de, ah ouais, non, c'est plus joli d'entrer euh, par là. Sauf que par là, il y a pas de lumière. Il bah, n'y a rien qui est réglé. Et le seul point de lumière qu'il y a, c'est... Attends, j'ai qu'une barre sur celle-là. Attends, on va couper, on va reprendre. petit incident technique. Ouais. Mec son casque. Là. Oh, moi, je garde mon casque, c'est fou, ça me permet de contrôler. Non, mais c'était une très bonne idée. Tu eu une très bonne idée, je vais euh. l'avouer, de dire qu'il faut prendre les casques pour les podcasts. Ah oui, oui, oui. C'était une très bonne ah idée. Non, moi, c'est prochain investissement. Donc, euh, ouais, ouais, c'est une très bonne idée de prendre les casques. Je, je valide. Mmh. Je, je valide beaucoup. Attends, je vais rincer mon verre parce qu'on a pris autre chose aussi. On a pris euh, chacun une boisson qu'on euh, de, de choses qu'on n'a jamais goûtées. Mais pas seulement des choses euh, dégueulasses hein qu'on aurait pensé à Moi, j'avoue, c'est que des, que des découvertes parce que ça, je, la, je crois que je n'ai jamais bu. Old Jamaica Ginger Beer. Ginger Beer, ouais, voilà. Franchement, on l'a vu et je me suis dit, j'aime bien. J'aime bien le, le packaging. J'aime bien le Old Jamaica Ginger Beer. Ah, mais tu l'avais jamais goûté Original. Non, jamais. Ah, mais je pensais. Bon, bah... Non, non, j'avais jamais goûté aussi, hein. Et j'ai envie de goûter, donc du coup. Donc c'est parti pour le deuxième. Euh... Yep. Celui-là, je pense qu'on va aimer. Hein. De toute façon, dès de... 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 ouais, que tu dis, je pense pas. que mon truc à l'herbe. Attends, je vais voir si je le mets au-dessus de l'aloe vera. Allez, c'est parti. Oh, déjà l'odeur. Oh, c'est. Oh, l'odeur est déjà. Oh, oh oui. Oh, l'odeur. On oui, oui, oh, oui. est d'accord ou pas oui. Oh, déjà rien déjà que l'odeur. Olfactivement parlant. Langer. Ah, oui. Attends. Banger. Ah, oh, j'ai même pas encore envie de mettre mes lèvres. Je vais d'abord euh, profiter de. Mon de gars. Son... Mm. I'm a Jamaican. Ah. You know. Blood. Blood, blood. Ah. Non, vraiment. Yeah. Vraiment incroyable. Ouh. Ah ouais. Mm. Ouh. Ah oui. Oui, 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 oui moi j'aurais testé un truc qui est bon ce soir Ouh ah ouais 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 ah ouais j'ai pas les mots là non ça pète ça pète ça, mmh. pète, ça pète les gars alors si vous n'appréciez pas beaucoup le gingembre et que vous voulez le découvrir je vous conseille de prendre le old Jamaica ginger beer alors, alors le est... goût est le goût est doux ouais oui mais oui mais c'est bizarre parce que de base j'aime pas le gingembre ouais c'est vrai en plus j'aime alors j'aimais pas le gingembre jusqu'à ce que je commence jusqu'à ce que je commence à cuisiner très souvent asiatique et j'avoue que maintenant j'apprécie le gingembre alors par contre le jus de gingembre j'apprécie toujours pas le truc c'est trop sombre pour moi ça mais en vrai dans la cuisine bon maintenant j'aime bien le gingembre et là franchement non celui-là il est bon parce que il passe ouais ouais t'as pas, pas le pas agressif. voilà tu n'as pas l'agression derrière de la racine en fond de palais ouais oui c'est ça en fait que généralement sur les autres boissons tu as j'aime bien gars on est là d'une certaine façon on, on fait des anecdotes gay gars ça fait ça deux fait fois la deuxième fois que ça parce qu'en fait c'est qu pas ça j'explique je veux dire à chaque fois guys et, et le temps que je dise guys je me dis mais si tu vas le dire en, en anglais non reste en français donc ma langue elle fourche et je dis gay ça fait deux fois aujourd'hui mais je veux dire guy je sais pas vous avez quoi de pire à m'insulter de gay non c'est pas <laughs> ce qu'on a dit on t'a pas c'est pas une insulte déjà. On t'a pas si, insulté. Non, je rigole. Non, as pas insulté. Non, mais je rigole, on va pas insulter. Mais Quand on a discuté, on... Attends, je finis avec mon anecdote et après, on part sur ça. J'ai fait un mariage, mec. Mm. C'était un mariage, je crois, c'était... Euh... Attends. Euh... C'est pas Côte d'Ivoire. Euh... Oh purée! Sénégal, Mali. Sénégalais. Le mariage sénégalais. Et euh, je suis arrivé sur le. Moi je devais juste arriver pour la soirée. Ouais. On m'avait demandé de venir dépanner pour la soirée et tout. C'était un pote. J'ai fait ok, vas-y, je passe. Euh, J'étais dans le coin. Elle m'a dit ouais, franchement, on est en galère. On n'a personne. Euh, et y a... Non, il y a une personne qui devait venir. Elle n'a pas pu venir. Je sais que tu es plus proche. Est-ce que tu peux nous dépanner et tout. Je lui dis ouais, mais moi j'ai rien. Je pas de matos et tout. Elle m'a dit non, mais t'inquiète, viens, viens, viens. On a le matos. Mm. Je dis ok, ouais, cool. Je vais venir, je vais... En plus, ça fait longtemps, j'étais pas, j'ai pas vu. Bref, j'arrive, mon gars. Là, franchement, la soirée, tu connais. Hein soirée, là, ça danse, machin et tout ça et tout. Et mais moi, j'avais mangé. Donc, on me dit, est-ce que, est-ce que tu veux manger tout ça. Je dis, je dis non. Et j'entends, il dit, euh, on a, un, on a du gingembre. Ouais. Et moi, je fais, ah, gingembre. Je je, 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 peux pas dire non, gingembre. Je peux pas dire non, gésombre. Et et il euh, y a une maman qui passe qui dit. Euh, Attention, c'est fort. Ouais. Elle dit ça comme ça et moi je dis vas-y. Hey, T'as cru que je venais? Euh... Hey, moi je suis moi je suis roots, moi moi je ouais. suis moi je suis gang. Moi je viens de la brousse, moi les gingembre je croque dedans. Mm. Et je vois, je me sers dans c'est un pichet, je me sers et tout. Et la maman elle me regarde en mode euh... attention. Elle dit doucement. Ouais, elle me, elle me dit euh... genre attention c'est fort et moi je fais le bonhomme. Donc comme elle m'a regardé, j'ai mis plus. Ouais. Et je prends le verre et tout, et je fais, fais l'affront. Je, je, mec, <laughs> j'ai fait ça. J'ai pris un bon goulot, frère. En bouche. Oula, là, là c'est le. Là, c'est le pérot qui monte. <laughs> et je l'ai pris en bouche, clac. Clac, j'avale. Mec, c'est monté. Direct. Bah direct dans le cerveau bon le cerveau il s'est décollé le truc c'était du gingembre pur c'était que... du gingembre pur et moi je faisais le mec et j'avais envie j'avais la, la gorge en feu j'ai comme ça elle, elle s'est tellement moquée de moi non moi gingembre pur par contre le jus là ça passe pas jamais c'est jamais passé mais j'avoue ouais, en tout cas celui-là je... Old Jamaica. Old Jamaica. Ginger beer, il est bon. Franchement. Non, il est bon. Je, vais, je pense que je vais tout finir. Frère Tang, vous connaissez. Ah oui, c'est vrai. C'est là qu'on a été se ce substanter. C'est ce quoi le terme Je dis les mots qui S'approvisionner. Mais ouais, frère Tang, c'est la famille, c'est la base. Ouais, franchement, ouais, est, on est passé là. J'ai dit, vas-y, on prend des trucs. Mm. Mais pour revenir à, à tout à l'heure, ce que je te disais euh, par, par rapport à ce que tu dis, c'est pas qu'on. Mais on discutait, on, on disait que. C'est déjà arrivé parfois que les gens, par rapport à. Le style. Le style, niveau style, voilà. Et parce que on prend, entre guillemets, tu prends soin de toi. Tu vois, là, on ne parle pas d'aujourd'hui, mais on parle de. Oui, oui, mais il y a une un, époque. Enfin, techniquement, c'est habituel. En fait, voilà. Euh, les gens avaient tendance à nous. Quel mot il faut utiliser maintenant Parce que je ne sais même plus quel Gay. mot il faut utiliser. Gay Les gens nous disaient qu'on est des hommes qui aiment des hommes. Parce qu'on prend soin de nous, je... toujours coiffé, barbe bien huilée, contour fait, le masque pour la peau du soir et du jour. Oh, je n'ai pas été juste. Ah, t'es pas, oh, bon, je vais pas. Non, non, je n'ai pas été juste sur les masques. Ah. C'est pas mal, mais je n'ai pas été juste Non, ce n'est pas un masque, mais, mais c'est une euh... crème, tu vois, qui te permet ouais. d'avoir le visage hydraté. Non, après, de souvenirs, je n'ai pas de souvenirs qu'on qu m'ait pris pour un gay ou je ne sais pas quoi. Mais... Moi, oui parce que quand je m'habille. Ouais, toi, tu as un style beaucoup plus. Euh, Ils plus disent têtement, que j'ai un, un style qui est eff efféminé, mais parce que je mets des tuniques ou des non, chemises longues. Pas moi, je trouve ça me choque pas. Tu vois, trucs que je pourrais mettre, mais comme je suis grand, il y a pas pour moi. Ça fait un t-shirt. Mais euh, non, je taillais même pas. Mais euh... j'ai rien dit. J'ai juste failli m'étrangler parce que j'ai le, le piment qui tape. Fort mais ouais, ma pas. Là, je quoi. réfléchis. J'ai pas de j'ai pas d'impression qu'on m'ait déjà pris ou pas de par monstre. Ah moi oui. Euh... En fait métrosexuel peut-être ouais. Peut ou ouais. Dit ouais, il doit être bi. Non. Moi chacun fait ce qu'il veut. Et quand je dis que je suis marié, machin et tout euh... là les gens ils tombent de haut en mode ah ouais. Mmh. Mais bon, je trouvais ça ça m'a jamais dit d'un côté il y a un côté vois. quand même que c'est flatteur. Parce que ça veut dire que tu as un style, tu vois. Les gens... Ah, ok. Mais il est mal associé. Ok, je vois ce que tu veux dire. C'est mal associé. En gros, ça veut dire que quand as, si tu as du style, tu es gay. C'est mmh. nul, c'est bête. Mais, euh, ouais, voilà. C'est à cette époque-là, genre, tu es un homme, tu commences à prendre soin de toi. Ben, ça veut dire que tu es... Ouais, c'était la tendance métrosexuelle. Ça, voilà. par contre, oui, métrosexuelle, je l'ai déjà eu, cette remarque-là. Voilà, moi, ben je moi je l'avais souvent. Eu. Ouais, métrosexuelle, je l'ai eu. Gay, non. Parce que tu t'habilles dans les couleurs, tes ton ton sur ton tu vois. En plus avant je change souvent. En rose. Ouais, ouais moi j'ai vra... vraiment eu ça. À l'époque je m'habillais à l'époque euh, Châtelet XXXL, mmh. je m'habillais en rose. J'avais des Air Force rose. Ouais. j'avais un long t-shirt rose, doudra rose. Moi j'avais souvent, c'est vrai, ouais. euh, je mettais un petit pull rose parce que j'aimais bien la couleur, ça va bien avec mon teint. Mmh. Et tu vois, rien que le fait de parler comme ça, les te relègent et te regardaient en mode bizarre. Ah ouais. Et encore, je remonte si loin, mais j'ai un sweet rose là. Est... J'ai un sweet rose. Alors moi j'en ai encore des. Donc ouais, ouais, non, non. non j'en ai encore, mais... mais en fait, moi ce qui me gêne, c'est que il y, y a, un truc dans la, dans la société. Les gens, ils aiment trop se suivre les uns les autres, en fait. Mm. Tu vois, tu as un groupe de personnes qui lâchent une idée, une pensée, et tout le monde s'y rallie. Ouais. Plus personne n'essaye de réfléchir pour savoir ce qui est, ce qu'il faut en, en penser vraiment. Et toi, dès que tu ne penses pas ainsi, ben, tu es contre eux. Donc, tu es contre la société. Tu vois, moi, moi c'est un truc avec lequel j'ai un problème. C'est ça, en encore de... une fois. Et je crois que ce mec-là, ça va devenir une rêve pour moi. Quand on parle de ça, ça me fait penser à Edgar Yves. Mm. Mais dernièrement, il a dit une phrase. Qui m... Enfin, il y a un petit moment, quand même. Il a tellement raison, ce gars-là. Genre, euh, on vit dans un monde où si tu ne penses Les gens viennent t'imposer ouais. leurs pensée. Si tu ne penses pas comme eux, non, tu racontes de la merde. Non, un... c'est faux. Non, meuf, mec, meuf, quoi que tu sois, il, elle, il, elle, non, ça n'existe pas ça. Mais je euh, ne sais plus. Je crois pas. Moi et franchement, des fois, j'aime parler des, avec des, j'aime parler avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Je trouve ça plus intéressant. Oui, parce que ouais, il y a un échange, tu oui, vois. je trouve ça plus intéressant de parler avec, avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi. Que Quelqu'un qui est d'accord avec moi qui va me dire, ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai, ouais, t'as raison, oui, oui, oui. Mais on n'avance oui, pas oui, dans la oui, discussion, il oui. n'y a rien de construire. il n'y a pas d'échange. Ouais, alors que tu me dis que tu t'es pas d'accord, on échange, on échange à la fin, on sera peut-être toujours pas d'accord, ouais, mais au moins, je comprendrai peut-être ce que tu veux dire, tu vois, je comprendrai ton point de vue, il y, a, il y aura eu un échange, un peu comme on fait des fois, hein. bah oui. il y a des choses sur lesquelles on n'est et... ouais, bon. pas oui. d'accord, mais pas du tout, ouais. mais ça ne nous, nous empêche pas de continuer à échanger, clairement. Mais de nos jours, et surtout sur les réseaux sociaux, et oh le problème, c'est que... Et j'avoue que j'ai des petits, des petits moments comme ça, où j'aime sur les réseaux sociaux. Je vais voir, un des, comment... je vais voir des sujets, des... je vois les commentaires, et je vais commenter aussi. Juste pour lancer un truc. Tu euh, toi, t'es pour le crime, toi. Moi, oui, moi... parce que c'est drôle, moi, en fait. Pas. moi, moi sujet si écrit dans vos oreilles, excusez-moi. Non, euh... non j'adore, j'adore. Tu vois, c'est une fois de temps en temps, je lance... Je vais en... je vais au conflit avec quelqu'un, parce que... Je trouve je trouve c'est marrant moi j ai, j ai, je suis passé un cap où euh, il y a une époque j'avais besoin que les gens comprennent mon point de vue ouais. pas que les gens acceptent mon avis mais j'avais besoin que les gens comprennent mon point de vue afin qu'ils sachent comment je réfléchis et pourquoi j'agis ainsi c'est euh, je te présente ma conception de la vie je te demande pas de suivre mais je pour que quand tu vois que j'agis d'une telle manière que tu puisses pas essayer de me juger autrement. Ouais. Et moi, c'est un truc que j'ai horreur, c'est quand les gens émettent un jugement sur ce que je fais ou ce que je dis, alors que j'ai donné mon avis ou je me suis expliqué. Et mmh. j'ai passé énormément de mon, 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 je pas dire, mais mon, mon, mon temps de jeune homme, parce que personnellement, moi, je suis dans cette idée-là qu'une fois que tu es marié, que tu commences à avoir des enfants tu passes le cap, tu n'es plus un jeune homme, tu es un homme. Une fois que tu as de la responsabilité. Et ce n'est pas la peine d'essayer de me faire des longs pavés dans les commentaires, ça ne changera pas mon avis, c'est mon point de vue, c'est mon avis que je partage avec vous. Donc si ah, vous, vous pensez différemment, mais... Vous pouvez commenter, mais je ne lirai pas le pavé. Euh, pour moi, quand tu as des responsabilités autres que toi, autres que toi, qui veut dire que tu peux, que tu te lèves et que tu dois te préoccuper de la vie VIE, d'autres personnes, en tant c'est là que tu deviens un homme. Tu es responsable maintenant. C'est la responsabilité de l'autre qui te donne ce, cette situation d'homme. Avant, avant, je ne vais pas dire que tu es un jeune homme, mais dans la vie, il y a cette partie-là que tu n'as pas encore connue pour ne pas t'accomplir. Hein. Mais c'est ça qui te donne le petit truc en plus pour voir le monde différemment, tu vois mmh. Et ceux qui ne sont pas d'accord, je comprends, hein, mais ça c'est mon, mon avis. Et quand j'étais du coup jeune homme, j'essayais tout le temps de me justifier, d'expliquer. Non mais c'est pas ce que j'ai voulu dire. Non mais c'est parce que j'ai fait ça, parce que c'est ça. J'ai fait ça, parce que c'est ça. La compréhension, tu vois. Expliquer aux gens. Non, je ne sais pas de diriger vos vies. C'est juste que moi, je pense comme ça, donc c'est pour ça que je fais ça. Et les gens, ils vont aller prendre leur... Manière de voir la vie, ils vont la calquer sur ton expérience mmh. et ils vont te dire que tu aurais dû faire comme eux. Et ouais. ça, je supporte pas quand on, les gens ils me font ça. De toute façon, il y a une phrase, je ne sais plus qui a dit ça ou je ne sais plus où est-ce que je l'ai entendu en fait. Je suis responsable de ce que je dis. Ce que tu comprends, c'est ta ouais. responsabilité. C'est ta responsabilité. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Si tu ne comprends pas ce que je te dis, dis-le moi. Je t'expliquerai. Ouais, voilà. J'approfondirai si comprendre... le truc, la, la chose que je te dis. Mais par contre, n'interprète pas ouais, ça, ouais. mes phrases. Ça, j'ai horreur de ça. Si je te dis A et que tu comprends B, c'est ton problème. Ce n'est pas moi qui te dis ça. Oh là là. Et les réseaux, enfin, je, je reviens, mais c'est les réseaux sociaux, c'est un problème. Et des fois, tu as ça avec les clients, tu vois. Ouais. T'en as, ils viennent, ils ont, ils ont leur vision sur leur projet, ce qui est tout à fait normal. Oui. Et ils te disent, euh, alors je veux que ça donne ça, mais quand ils te donnent les, le, le, mat, le matériel, quand ils te donnent les données pour le faire, tu te rends compte que, et ça revient sur ce qu'on disait au début, c'est que, ouais, mais c'est pas possible en fait. C'est pas cohérent. Et c'est pas que je ne veux pas le faire, c'est qu'en tant que là où je me situe, en tant que dans, dans ma place, ma responsabilité, est de te dire que pour l'instant, avec ce que tu as, voilà ce que tu, ça peut donner. Après, moi, je dois être capable de dire, voilà ce que, du coup, voilà ce que moi, je peux donner avec ce que tu me donnes. Ouais. C'est toi qui dis maintenant, ben, tu n'es pas à la hauteur. OK. Oui. OK. Mais n'essaye pas de me forcer dans ta ligne, en fait. Et ah, moi, ouais, ouais, ouais. ça, ça a été l'une de mes plus grandes erreurs quand j'ai je, quand je, quand commencé. C'est d'essayer de faire rentrer un éléphant dans, dans l'armoire pour les gens. Ouais. Alors qu'il n'y a pas de place. Et ça m'a... Ça m'a mis dans énormément de... Ouais. C'est compliqué les débuts, parce que tu dis « Ah, c'est un projet, il faut que je le prenne. » Alors que des fois, tu sais que t'es pas... C'est pas... pas pour toi. Des fois, tu le sens dès le départ. Mais tu te dis que si tu prends pas, tu n'as rien. Oui, c'est ça. Tu n'auras plus rien, on va plus te proposer. Ça. Ça, a été, ça a été une des, des, de mes erreurs, hein. mm. de prendre certains projets qu'en les prenant, j'aurais dû... Parce que c'est pas que j'avais pas assez d'expérience, mais... L'expérience que j'avais n'avais pas, c'était dans le côté il fallait m'imposer. Il ouais. y a plein de projets que j'ai pris et qui ont... c'est pas qu'ils ont foiré, mais j'ai senti que les gens étaient déçus. Ils ont eu quelque chose, hein. mais j'ai senti qu'ils auraient aimé avoir plus. Oui, 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 mais il n'y a pas ouais. eu le plus parce que je ne me suis pas assez imposé en, par rapport à ma position qui est... Euh, non, en fait, ça, on peut pas. Et moi, j'avais du mal à détacher le c'est pas possible et j'attachais le c'est pas possible à je ne suis pas capable donc pour moi quand c'est pas possible c'est parce que je ne suis pas capable et c'est là que ça a été aussi une erreur c'est que je, je, faisais, je faisais pas le je me détachais pas de ça c'est pas possible mmh. c'est pas possible ça n'a rien à voir avec mes compétences je oui, et je, et tu vois, en plus, et je voulais ça. tellement que ça réussisse que je me dis non je prends et je vais arranger les choses je vais trouver un moyen pour arranger les choses je, je me plierai s'il le faut pour que ça puisse s'arranger. Ouais. Tu vois Et ça, ça. Il faut pas faire ça. Ne faites pas ça. C'est une, une très, 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 très grosse erreur si vous commencez, si vous débutez. Mmh. Je crois que j'ai eu la chance de commencer un moment. Parce que la ouais, voix la vie, enfin, photo, vidéo, vraiment, ça fait trois ans, on va dire, que je fais ça. Et je crois que j'ai eu cette chance de commencer. Alors, chance, malchance, pas de chance, chacun le prend comme il veut. Mais j'ai eu la chance de la commencer tard et dans le sens, à un moment donné de ma vie, où je sais ce que je vaux. Je n'ai mmh. rien à prouver, tu vois. Donc, je n'ai pas de honte à te dire non, je ne peux pas, tu vois. Je n'ai pas, pas de gêne. Si, je, si, je, si tu me proposes un projet et que je ne le sens pas, je te dirais non. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je sais ce que je peux faire. Et ça ne me dérange pas de te dire non, j'avoue, ça c'est chaud, je ne peux pas te le faire, tu vois. Tu me l'aurais tu me l'aurais proposé. Ça, ça tu combien de temps que tu fais de la faute Tu fais ça toi euh... j'allais dire 10 ans mais non, peut-être si en fait. Bon, tu peux dire 2015. Ouais. Ouais, non pas loin de 10 ans. Tu m'aurais on m'aurait proposé à l'époque où, où tu as commencé, j'aurais tout pris. Mon gars, que je sache faire ou pas, <laughs> j'aurais fait parce que j'avais pas cette maintenant mais j'avais pas cette maturité de Effectivement, si je dis non, c'est que je suis nul, tu vois. Alors que non, en fait. Tu vois, bah, à, ces, regarde, à cette époque-là, j'étais DJ. Euh, ouais, à cette époque-là, j'étais DJ. On m'a proposé de mixer dans un mariage. Je l'ai fait. Alors que non, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Et déjà, mariage adventiste. Donc, je dis ouais, tranquille, je connais. J'ai l'habitude, je connais. Le jour du mariage, j'arrive... Oui, on veut pas de ce qu'on veut pas de ci, on veut pas de ça, on veut pas de ça. Sauf que moi, c'est ça que je fais. <laughs> c'est ça que je fais. T'as passé le cantique numéro 365 Mec. <laughs> Gars. <laughs> T'imagines le mariage Elle est mariée, les de Elle est mariée désolé hein, si vous tombez sur cette vidéo un jour, désolé. <laughs> Gars, pendant tout le repas, j'ai passé un album en boucle. <laughs> Non! Le ah, repas, le délire! J'ai passé un album en bouche, juste en changeant l'ordre des chansons pour pas que Et personne n'a rien vu. Personne n'a rien vu. Parce qu'ils étaient, étaient occupés à, ma, à parler à moi. En coup. fait, ils voulaient quelqu'un qui passe des playlists. C'était mmh. pas ouais. un DJ, quoi. Ah non, mais c'était pas un DJ. Parce que déjà, tu me dis pas le jour même, surtout que ouais, non, je veux ça. On veut pas ci, on veut pas ça. Et en fait, à la fin, ce qui m'a sauvé, c'est que genre. Euh, ben. Bah, les jeunes, ils sont venus me voir. Ouais, il n'y a pas de... Ils m'ont demandé de la musique, tu vois. Donc, du coup, j'ai mis de la musique. Donc, ça a débloqué le truc. Mais à cette époque-là, ouais, je l'ai pris. Alors que je ne savais très bien que je ne le faisais pas. Je n'aurais pas pu le gérer, tu vois. Alors qu'aujourd'hui. Non. Tu me demandes. Non, flemme. Moi, le je truc, pas, euh... je veux pas. Combien de fois on m'a demandé pour des mariages Ouais, tu fais des mariages. Non. Non. Les mariages, c'est particulier. Ah non, j'ai dit, temps, dit ouais. je ne veux pas. Tu prends combien pour faire un mariage Je ne sais pas. Tiens, va voir Rodel. Je, te... je fais des passes d'ess. Bon, dévie des pas parce qu'à chaque fois les gens. Euh... C'est toi alors. Oui, bah, c'est combien de fois <laughs> Ben c'est moi souvent, des fois. Ah grave. Ouais, va voir lui, il fait des mariages. Quand tu donnes ton prix, ah c'est pas dans mon budget. On, a... On en revient à là, tu vois, encore une fois. Ah, tu sais, bon. Moi, je suis. Ça me ça... franchement, ça me dérange pas hein, quand les gens ils me disent euh... bon, au final, euh... c'est pas dans leur. Euh dans oui, le budget, non. machin et tout. Mais tu sens que c'est plutôt du style... Euh, ben c ils sont sincères, en fait. C'est oui. qu'on n'a on pas le budget et tout. Bon. Et là, ça m'est arrivé plein de fois de faire des gestes. Mmh. Non, ça mais, mais vraiment, les gestes, on peut les faire. Plein de fois hein, ouais. de faire des gestes. J'ai fait pratiquement que ça. Ouais. Trop, même. Trop, c'est vrai. Tu, tu me l'avais dit aussi. Et ce qui était un peu embêtant, c'est que le travail fourni derrière... Après, je suis toujours salle. content. Hein. C'est moi qui prends le, la, la responsabilité de oui. dire euh, que je le fais, tu vois. Mais je vais donner le même travail. Ah, mais c'est ça. C'est bon. ça le truc. Je ne vais pas lésiner sur l'implication que je vais mettre euh, dans, dans le projet. Mm. Et plein de fois, je me suis rendu compte que sur la fin, qui était perdant, ben, c'est moi. Parce que des fois, il suffit qu'il y ait un truc qui ne passe pas. Ouais et c'est toi qui prends tout en fait bah oui clairement c'est toi qui récupère tout en, parce que quand les gens ils, ils, ils voient le et surtout un truc qui m'avait n'est euh, pratiquement bon failli failli m'achever ouais c'est euh, quand tu quand tu prends ton temps tu vois pour sur les montages machin et tout ça mec j'avais eu j'avais enchaîné tellement après le confinement dans un délai de des de, de prestats que, ben, que j'étais sous l'eau en termes de montage. J'étais mmh. sous l'eau, mais j'ai tout donné quitte à tomber malade pour que rien ne soit délivré en mode euh, bâclé. Mais, mais en donnant mon max, j'ai fait j'ai tout fait pour donner donner mon max il y en a j'ai pas de retour non mais ça mais franchement c'est très frustrant il y en a j'ai j'ai livré j'ai pas de retour mais moi franchement je trouve ça archi alors non seulement c'est un manque de respect mais je trouve ça archi frustrant deux fois ça m'est arrivé deux fois ça m'est arrivé sur un clip pareil j'en vois bah, ce que j'ai l'heure J'envoie les photos, pas de retour. Et une, et une fois avec une pote, si on peut dire ça, du coup avec du recul, je l'embarque avec moi sur Paname pour faire un shooting tout et tout. Et euh, parce que je venais d'acheter, c'est à l'époque où je venais d'acheter le Canon tout et tout. Mmh. Et je voulais, je voulais le tester. J'y vais, on fait un shooting tout et tout, tranquille. On se promène sur Paris, on fait des photos. Je lui envoie les photos. Ouais, t'inquiète, je regarde ça plus. Je regarde ça. Je crois qu'elle je crois, devait, devait être dehors ou je sais plus quoi. Ouais, t'inquiète, je regarde ça plus tard. Je te dis, j'attends toujours. Ah ouais, toujours. le plus tard, il est là. Il est, il est tard. Hein. Et c'est frustrant parce que. Ben, tu sais pas. Tu ne sais. Tu me dis, putain, j'ai fait de la merde à ce point-là, en fait. Ou pas. Ou, tu sais, En fait, tu sais pas. Mais oui, c'est ça, en fait. Tu seras plus enclin à te dire, Mais oui. ils ont pas aimé. Moi, ouais, c'est ça. Moi, moi parce après que moi, moi, je, ça que je, me je me dis, j'ai fait de la merde. Voilà, parce que moi, il y en a vraiment. Euh, j'ai. J'en ai qui ne m'ont toujours pas dit s'ils ont aimé ou bien ils ont dit oui on a reçu euh, merci <laughs> et là du coup j'attends et moi mon truc c'est que j'aime pas j'aime pas déranger les gens oui non mais oui je vois pas donc pareil. je me vois pas envoyer un message euh, qu'est-ce que vous avez pensé même si que je, je pourrais le faire mais je, je me vois pas le faire en fait donc je laisse passer je ah laisse passer pareil. et j'essaie je, de me convaincre que j'ai fait du bon boulot. Mais moi, à l'époque, à cette époque-là, mmh. euh, quand je t'ai dit qu'il y a un truc qui m'a, après le confinement et tout ça, quand j'ai repris, ça m'avait détruit, c'est que je suis entré dans une phase un peu parano, ouais. qui était que personne n'aime mon taf. Personne n'aime ce que je fais. Ouais, bah, Parce que j'ai pas de retour. Bah oui, c'est ça, en fait, ça, ça, ça te met des doutes de ouf. C est, c est, les gens, ils voient ce que tu fais, mais tu pas de retour. Tu pas de retour. Tu sais pas. Tu ne tu sais pas. Tu as, mmh. as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Et tu n'arrives pas à te situer, en fait, après. Tu peux pas. Pour évoluer, tu ne sais pas ben s'il faut que pas, tu changes, fait. tu ne sais pas où tu es. Donc tu essaies de te convaincre. Non, je suis déterminé à, à me dire que ce que je fais, c'est bon, je suis confiant. Oui, c'est vrai, mais si tu n'as pas de retour, Aucune idée. tu peux très vite, ensuite, dans ta manière de te positionner, passer pour quelqu'un d'arrogant. Ouais. Parce que tu vas commencer à dire que ce que tu fais est bien, mais comme tu ne sais pas que les autres n'aiment pas. pas, quand toi, tu vas parler de toi et de tes affaires, tu passes pour quelqu'un d'arrogant. Non, non, mais c'est clair. Moi, franchement, je ne sais pas, je demande un truc à quelqu'un, il me le fait, je, minimum, je lui fais un retour. Minimum, je lui fais un retour, parce que voilà ouais, quoi. Il y a du temps qui a été passé. Autant à l'époque de mes premiers backstage, c'était je prenais en photo et je te les envoyais telles quelles, il n'y avait pas de retouche. Je shootais en JPEG, je t'envoyais ça en JPEG. Mais à partir du moment où je commence à m'investir, je ne sais pas, un minimum de temps. Donne-moi tu Dis-moi. Même, en vrai, même, même t'aimes pas. Ouais, dis-le. Dis-le. C'est pas grave, en vrai. Je peux l'accepter, je ne suis pas contre. Vraiment. Ouais, il y a une, une c'était mais dis-le. Dis ouais, ouais, c'était mes débuts. Donc, en vrai, si t'aimes pas, si tu veux que je retouche un truc, tu me le dis et je te retouche le truc, tu vois. Euh... J'ai fait une pochette d'album, ça les gens ils le savent pas en plus, c'est ça qui est drôle. Les gens ne savent pas, j'ai fait une pochette d'album avec c'est une de mes photos. T'as pas de retour Non, si j'ai le retour, j'ai le retour heureusement tu vois, mais je veux dire. Dis, dis. Je sais pas pour dit ça. Je voulais juste la caler. Parce que dans ma tête j'avais j'avais il y avait il y avait une logique, mais je me suis perdu entre temps. Mais euh, ouais, Désolé, c'est le, le truc qui me donne des tapes par à coup comme ça de <laughs> temps en temps. Mais non, mais ouais, quand on fait un truc pour vous, je ne sais pas, faites un retour. Parce que. Après, heureusement. Ça remet euh, en question, en fait. Heureusement aussi, il y en a de bons. Oui. Mais moi, vraiment, je tiens à le dire, mais les... j'aurais arrêté la photo depuis tellement longtemps. Ouais, s'il n'y avait pas les bons. J'ai si des gens, pas mais mon gars. Vidéo, il ouais. y a des gens, ils me boostent à une d'un point. Pas dire de nom, mais vous savez très bien. Ah, par contre, moi, quand c'est bien, moi, je dis des noms. Non, parce qu'il y a ouais. trop... D'ailleurs, c'est bon, je me rappelle que je, voulais, que je voulais mettre sur YouTube tout à l'heure. C'était quoi Zoukine ah, Il a okay. sorti. Alors, ah, un pote oui, vrai, qui a sorti euh, euh, une, euh, un court métrage de 17 minutes sur... Euh, je vais vous, je vous ouais, mettrai mettrai le lien dans la ouais. description. Il a sorti sur le, sur le Zouk. C'est très bien monté, en fait. Ce mec-là m'impressionne déjà. Moi, je dis franchement, gars, je lui ai déjà dit... Je lui ai déjà dit, il m'impressionne, je le respecte énormément. Vraiment, je pourrais mettre. Alors, c'est bizarre ce que je veux dire parce que a eu dans un podcast comme quoi je disais que je ne m'inspirais de personne, mais c'est une personne que je pourrais, m... qui m'inspire, tu vois. Parce que non seulement j'aime son travail, mmh. mais j'aime beaucoup, la... j'apprécie beaucoup la personne, tu vois. Mmh. Comme je te dis, c'est une des rares personnes que j'accepte la critique, parce que c'est pas une critique, c'est juste des conseils pour te faire évoluer, pour te faire avancer. Et non, le gars est fort. Le gay, ah, j'irai voir ça alors. Ouais, ouais, Quand tu mais du 3 coup, c'était ça tout à l'heure que ça je voulais, que voulais te Qu'on qu regarde, ouais, ouais. Ça. mais vrai, ouais, je vous, mettrai, euh, je vous mettrai en lien. Allez voir, donnez-lui la force. Franchement, c'est mérité. Et même toi, hein, à chaque fois, il me parle de toi. Il me dit, ouais, Odel, il fait des trucs de ouf. C'est incroyable. Hein. Non, moi, j'irai voir. j'irai regarder. Moi, ouais. c'est vrai qu'il y, y a des gens. Euh... Ah, oui, c'est pour ça qu'on me parlait de ça, d'accord. Ouais, alors, moi, j'ai un problème. Quand je commence à parler, des fois, j'oublie le sujet de base. Oh, mais vous avez capté, hein <laughs> souhaits, les On a commencé à râler tout à l'heure, mais là, on a... je pense que le, le... le show est en train de redescendre petit à petit. La ouais. Nouvelle a fait son temps. Le gingembre est en train d'agir de, de... Oui, du... sur moi, là. Ouais. Je suis en mode euh, peace, mais Du coup, c'était ça qu'on disait, oui. C'est que, ouais, non, vraiment... Il y a, euh... des, y a, des, gens y a des gens qui euh, t'envoient de la force. Ouais. Euh, alors, au à part l'entourage proche, tu vois, il y a des gens en extérieur de, de l'entourage qui sont pas de ton entourage, hein, mais qui, par exemple de mon côté, qui me donnent souvent, qui me font des retours, qui, euh, qui carrément me demandent c'est quand il y a telle ou telle chose, est-ce que tu est-ce que tu sors ça, qui m'envoient des euh, des, des extraits, des exemples de trucs euh, qui se fait à droite et à gauche, mmh. mais dans l'intention d'échanger. Pas juste, ils m'envoient oui. une vidéo euh, sur Instagram et ils se barrent. Tu vois C'est qu'ils envoient ça et il y a, y a un truc derrière. Il y a une discussion. Ouais, il y, y a une discussion, il y a un mais truc. Tu sais que moi, ça me frustre. Fr... Déjà... C'est pas la première fois que je dis ça. Ça me frustre que ce soit des gens que je ne connais pas ou que je connais depuis peut-être un an, deux ans qui me motivent et qui, qui, qui me donnent de la, la force alors que les gens qui, les gens que j'ai connus, les gens avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai fait les 400 coups, ils regardent tes trucs et bah, les couilles. En vrai, ça m'énerve. Et c'est pour ça que j'ai viré beaucoup de gens. C'est pour ça que j'ai appris à trier mes amis, mes relations, mes proches. Et encore, je dis mes amis, mais je n'ai même pas d'amis. Ça se compte sur les, sur les phalanges d'un doigt. C'est grave. Mais je ne comprends pas pourquoi c'est des, des inconnus qui me donnent la force. Vraiment, si j'en suis là encore aujourd'hui à faire de la photo, de la vidéo, à être là devant vous avant de faire un podcast, c'est grâce aux gens que je ne connaissais même pas il y a deux ans. Moi, j'ai mon avis sur ça. C'est mon avis perso. Hein. C'est ouais. vraiment, vraiment euh, mon, mon, mon point de vue. Il y a, alors, il y a plusieurs cas par rapport à ça, mais moi, je pense pour le plus général de ce que moi, j'expérimente. C'est que... La plupart du temps, dans ton entourage, tu n'auras pas beaucoup de personnes qui ont les mêmes attraits, les mêmes affinités avec ce que tu aimes faire. Ouais. Surtout si ce que tu aimes faire, c'est pas que c'est décalé, mais ça ne rentre pas dans leur euh, dans la catégorie dans pour eux. Voilà. Euh, soit. À, moi, moi, à mes débuts, ça ne rentrait pas dans la catégorie travail. Donc euh, voilà. Jusqu'à ce que ça se développe. Par exemple, même youtubeur, quand tu disais que tu étais youtubeur, on te traitait de chômeur. Hein. Maintenant, tout le monde veut être youtubeur. Youtubeur, c'est stylé. Euh... Donc, ça, ça arrive que ton entourage proche, pour eux, ce que tu fais, c'est pas que ça n'a pas d'importance. Hein, mais ça n'a pas d'importance pour eux. Oui, non, mais c'est ça. ça. Et comme ça n'a pas d'importance pour eux, ils ne voient pas ce que ça peut, ce que ça implique de te booster et j'ai fini par comprendre que ton entourage n'est pas obligé de te booster parce que si euh, tu devais fonctionner comme ça tu n'irais pas loin parce que tu n'aurais pas eu beaucoup de personne vaut mieux que ce soit vraiment justement que ton truc soit entendu de tout le monde ouais. tu vois et là tu peux avoir beaucoup plus de boost parce que les gens qui vont tomber sur ce que tu fais ils ne te connaissent pas mmh. donc entre guillemets il y a pas de hiérarchisation euh, Bon, le mot, il est bizarre, hiérarchisation sentimentale. C'est que du style, euh, on ne te connaît pas, ils voient que tu fais du bon boulot, bim, ils te le disent parce qu'il y a un attrait. Tu as touché quelqu'un qui, ce que toi, tu as fait à ce moment-là, ça lui parle. Ouais. Et moi, j'ai pris du temps à comprendre ça, que je ne pouvais pas demander à, aux proches, quoi, de, de tout le temps euh, aimer mes passions parce que une, ça ne les passionne pas. Je devais trouver des gens à l'extérieur que ce que je fais passionne mm. et que ce soit ces gens-là qui me boostent euh, pour avancer et pour continuer. Ah non, ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais c'est même pas aimer, je même pas aime ce que je fais en fait. Tu n'aimes pas, tu n'es pas obligé d'aimer. Moi, je fais mon truc pour moi, pour des gens, pour une voilà, on fait de la photo vidéo mais c'est pour c'est niche. On cible des gens, tu vois. Donc, n'es pas obligé d'aimer ce que je fais. Mais par contre, soutiens-moi, je ne sais pas, tu vois. Soutiens-moi. En fait, c'est chiant parce que je ne peux pas dire ce que je veux dire là. J'ai un truc à dire, mais je ne peux pas le dire. Ben, bah, dis-le et on verra si on coupe. Non, je ne peux pas le dire. <laughs> Vraiment, parce que là, là, je ah. tacle... là, en vrai, je tacle ma famille fort, là, si je parle. <laughs> C'est pour... pour ça que je ne peux pas le dire. Mais euh... en gros, je crois que ce moment-là, je vais le laisser. Mais non, j'expliquerai je... non, peut peut-être un jour. Parce qu'on ah. en a déjà parlé, je crois. Ouais, C'est possible. Moi, en tout cas, euh... moi, je sais qu'à mes débuts, je sais très bien que... Et certains de mes proches me traitaient de gars qui foutaient rien. Hein. Oui, c'est ça. Alors moi, j'ai pas de problème à le dire. Ils connaissent mon point de vue sur ça. j'ai aucun souci. Je sais très bien qu'il y a des gens autour de moi. Ils me voyaient avec mes trucs. Mon... Parce qu'à ce moment-là, j'apprenais. Je, J'essayais de prendre le maximum d'expérience mmh. avant qu'on m'appelle. Tu vois, je prenais mon expérience partout où je pouvais prendre. Si je pouvais filmer une fleur, shooter une fleur, un caillou qui roule, j'avais toujours mon matos parce que je, je, je partais du principe que je devais connaître mon matériel pour que, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, je n'ai pas à chercher comment la régler. Je dois, ouais. je dois trouver tout de suite. C'est pour ça que quand tu, tu regardes maintenant, quand tu t as, du fait que tu viennes avec moi et tout, tu vois que je passe très peu de temps sur le matos. Le matériel, je passe très peu de temps dessus. C'est clac, clac, c'est posé, clac, pas, on y va. Bah, en, vrai de... Alors, en vrai, de vrai, c'est juste euh, bah, comme on a chacun nos caméras et construit. Je confirme en fait. Hein. C'est juste qu'on se met raccord sur les réglages et après chacun fait ouais, Je trucs, ne suis fait, pas hein. en mode à tout, toujours être dans les trucs parce que ça, j'ai entre guillemets pas que j'ai perdu du temps mais ça je l'ai fait en amont avec tout type de caméra qui était possible de passer dans mes mains bon, après il faut dire aussi que là dessus on est nul non, non je disais pas qu'on est nul c'est qu'on a nos bases voilà. suffisantes et on n'a pas besoin plus loin c'est c'est ce plus loin ouais. c'est un autre type oui. plus loin c'est un autre level et je sais rester à ma place tu vois oui non mais c'est ça c'est ça quand je dis qu'on est nul c'est que je sais aller plus loin euh... tu me donnes un truc je vais le faire tu vois, la photo, je l'ai appris, appris avec mon. Alors, j'ai fait un switch très bizarre. Vous trouverez peut-être ça très bizarre. Mais j'ai commencé avec mon téléphone en mode simple. Quand j'ai voulu aller plus loin, mon téléphone en mode pro. Pour comprendre ISO, tout et tout. Chose que je ne comprends toujours pas. Mais enfin, non, j'abuse, je mens. Mais. T'abuses, ouais. Non, non, j'avoue. T'abuses <laughs> fort. <laughs> T'abuses fort. Non, mais tu vois, je veux dire que à l'époque, je ne comprenais pas. Voilà. ISO, tout et tout, je ne comprenais pas. Je savais les utiliser mais tu savais pas, à quoi, ça je serve, savais pas à quoi ça servait l'impact que ça avait voilà. sur l'image après quand j'ai voulu aller plus loin j'ai switch sur la, sur mon vieux Canon et là j'ai switch sur mon GH5 tu vois mais c'est dans ce sens-là je dis qu'on est nul c'est qu'on sent f... on sait faire les choses mais on va pas chercher les, le fond du fond on est en train de le perdre avec sa boisson on va pas chercher le fond du fond des réglages de ah, si on n'a pas besoin ça fait oui c'est ça c'est ça tu vois c'est ce qu'on sent on a, en tout cas, je sais que j'arrive à me contenter de d'ici là. Ouais. Et plus j'avançais, plus je proposais des trucs, plus je poussais plus ma créativité plutôt que ma technicité. Moi, je voulais pousser vraiment cette créativité. Et là où je me suis mis une balle dans le pied, c'est que quand j'ai arrêté de croire en ma propre créativité, parce que j'avais constaté que ma créativité ne plaisait pas. Tu vois, il y avait un truc dedans qui ne plaisait pas et je m'étais dit, c'est peut-être parce que je manque de technique. Et là, je suis parti dans la technique. J'ai appris, j'ai cherché à apprendre des trucs, valeur 4, plan, plus, plus travailler, plus machin et tout ça. Ouais. Et ça m'a fait perdre ma créativité du coup. Parce que pas j'arrivais pas à trouver l'équilibre. Mm. Et j'ai trouvé l'équilibre au moment où je me suis dit, franchement, fuck. Voilà ce que je suis capable de faire. Ça va plaire, ça ne va pas plaire. Mais je vais me concentrer sur ce que ça va plaire et je vais prendre des conseils d'amélioration aux côtés de ceux que ça va plaire et n'essayez pas de me faire changer d'avis en me disant que oui euh, non mais une, euh, une comment dit ça une critique constructive non non je je prends plus je prends je vous écoute plus là les gens qui ils, vous, vous n'avez jamais été là vous n'avez jamais partagé vous avez Jamais été là pour motiver, vous n'avez jamais euh, poussé, vous n'avez jamais dit une, une bonne parole, vous ne m'avez jamais boosté, vous n'avez jamais aidé, encouragé, mais je dois prendre en compte vos avis négatifs. Mais vous avez fumé ou quoi non, Jamais, de, que... la non, jamais vrai, de la vie. Jamais de la vie. On peut les prendre. Non, je ne les prends non, attends, pas. Attends, je prends laisse pas. Te, laisse-moi terminer. Non. Je peux. vais je prendre... la vera parce que je commence à m'énerver. <laughs> non, je ne prends, prends pas. Non, mais laisse-moi terminer. Il pas me laisser parler. Je peux les prendre si derrière tu argumentes. Non, même si tu argumentes, je n'ai rien à foutre. Tu vois, comme dans le sens où je te dis que... Non. Oh, mais il est Non, vas-y. Continue. Non, en vrai, moi, les, les critiques, je peux les prendre. Et comme je disais tout à l'heure, tu vois, par exemple, je reviens sur lui encore une fois, Zukin, c'est l'une des rares personnes que je peux prendre sa critique parce que je sais qu'il va, il va critiquer pour me faire avancer. Ah, mais pour mais c'est pas je ce que j'ai. Oui, mais moi c'est pour ça que j'ai dit qu'il okay. y a des critiques que je peux les prendre. Oui, mais... Si tu me critiques pour pour que je pour ma, dans un sens, dans un but de me permettre de m'améliorer, je l'entends. Par contre, si tu me dis ouais, j'aime pas ta vidéo, bah justement, c'est moi ce que je ouais, dis, c'est que les personnes qui ne t'ont jamais rien dit de oui, oui. pour améliorer quoi que ce soit ah, oui, de non, base, ça, non. Ça, ça, mais ça, ça qui se permettent de te donner que des trucs négatifs dans ce que tu fais, ah, oui, non, mais ces ça, gens là. Aller boire l'eau de la mer morte. Non, ça, ça Chaud. Passe pas, ça, non, ça, non, ça sort de question. Bonne dégustation à vous. Ça ces gens-là, je ne les écoute plus parce que c'est à cause de ces gens-là, justement, que je suis parti en dépression sur pas mal de choses et que j'ai eu du mal à me relever. Parce que malheureusement, l'homme regarde à ce qui lui fait le plus mal parce qu'il veut s'améliorer constamment. Donc, il va, il va regarder plus ça, en fait. Moi, c'est dans ce principe-là. C'est que tu as des gens qui ne t'ont jamais donné le lac, qui ne t'ont jamais motivé dans quoi que ce soit, encouragé dans rien de ce que tu fais. Et ils exigent que tu les écoutes dans les dans leurs dire et dans leur avis. Ah, je ouais. pense que tu devrais faire ceci. ah j'ai pas trop aimé quand tu as fait ça. Ou ça, tu fais mal. Ah non, on ne fait pas les choses comme ça. Mais va, je commençais à devenir vulgaire, va boire l'eau du Nil, du Gange. Mmh. Bois le Gange sans sucre. Bois l'eau du gange sans sucre. Tu vois ces gens-là, je ah non, ne les moi, écoute non, plus jamais. Je préfère recevoir une critique de quelqu'un qui me connaît parce qu'il a déjà vu ce que je suis capable de faire et qui sait, et, qui sait et que du coup, ce sera un échange oui. et il sera capable de me dire par contre tu as mis telle couleur je ah, j'aime pas. Moi, j'aime pas. Oui. pas. Elle tu vois, elle va pas me dire que c'est pas beau. Tu vois mon épouse, mon épouse c'est j'ai fini par comprendre que c'est auprès d'elle que je dois prendre mes, mes, mes critiques pour avancer parce que le regard qu'elle pose sur mon taf, le problème, c'est que moi, je la mettais dans l'eau avec tout, avec tout le monde, machin, et tout ça. Bon, c'est normal, j'avais la tête dans le truc, je voyais pas le truc. Ouais. Mais c'est elle qui est capable de me dire, t'as mis ça là, mais c'est pas qu'elle remet en question ce que je fais, mais elle me permet de m'interroger au mode, là, c'est rouge, c'est normal et c'est là où je lui dis oui oui c'est normal parce que ce jour-là il y avait tel truc Elle me dit on peut pas changer et là je me dis oh, on peut changer en fait c'est juste moi je suis flemmard, je l'ai pas fait mais le fait qu'elle l'ait vu et qu'elle me dit je pense que ce sera plus joli si on met en rouge tu vois non c'est important écoutez vos épouses moi je l'écoute pas parce que j'en ai pas mais écoutez là <laughs> écoutez, écoutez. Ben, en fait du coup quand elle, elle me fait un retour tu vois elle me fait un retour elle me dit si elle me dit j'ai pas trop aimé ça cette partie là je vais prendre en considération ce qu'elle va dire à, ce par à, par à partir de ce moment-là. Ouais. Parce que je sais que son but, ce n'est pas de se la péter en mode, c'est moi qui lui ai dit, malgré qu'il fait les vidéos ou les trucs comme ça, mais c'est grâce à moi que, tu vois, mais il y a mmh. des gens dans ton entourage qui seront comme ça. Leur, ils ne te poussent dans rien, mais quand tu y arrives, ils veulent que ce soit grâce à toi parce que ils t'ont détruit. Tu t'es reconstruit toi-même et ils veulent en tirer les frais et l'admiration. Non, ouais. non. Prenez un iceberg et mettez-le vous bien profond. Foule dans ton chou. Mais ouais non non moi c'est pour ça que moi j'arrêtais d'arrêter d'écouter de d'écouter les gens de m'arrêter sur leur. Euh, je, sais pas. je fais ce que j'ai envie maintenant. Je, parce que vraiment si j'écoute si je me soucie des gens, comme je disais tout à l'heure, je m'arrête. J'arrête, tu vois Ouais, c'est ça. Je n'avancerai pas. Je pas. Je vais passer mon temps à déprimer euh, et flemme, flemme, flemme. Et vraiment, la déprime, ça me casse les couilles plus qu'autre chose. J'ai pas besoin. Il faut que j'avance, tu vois Je le disais si... dans un truc tout à, à l'heure. Hein. Non, pas non, je t'ai coupé. Vas-y. Non, Non, si je t'écoute les gens, en fait, tu n'avances pas. De toute façon, même si pas... Même pas. Si j'écoute les gens, je ne sais pas où aller. Il y a des gens faut pas, il y a des ne faut pas écouter. Mais, non, mais ce n'est même pas ça. C'est que si, si je les écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'y a pas de retour. Les gens, tu leur ah poses oui, des oui, questions, oui, ils ne oui, répondent ouais, pas. Non, tout tout. sur Ce principe-là… Euh... Donc, en vrai, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Mais... Et c'est pour ça que je le redis. Les gens, le peu de gens qui, qui nous poussent, qui, qui nous font des, des retours… C'est des gens qu'on ne connaît pas. Ouais, non seulement, c'est des gens avec qui je n'ai pas… Si j'ai des affinités, mais c'est des gens que vraiment heureusement que vous êtes là. Ouais, vraiment, forcément. Ouais. Heureusement Fort que vous êtes là. là au que... niveau où on est, euh, si on vous avait pas, De ouf. Euh... moi j'aurais arrêté depuis longtemps. En fait, moi, si j'avais pas ça, j'aurais juste pas publié en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire J'aurais pas, pas été dans le partage sur les réseaux. Honnêtement, j'aurais juste fait mes, mes trucs avec les gens, machin tout ça. Et je ne me prendrais pas la tête de faire des vidéos YouTube, de mmh. expliquer, de faire des trucs face cam, de faire avec toi des podcasts, euh, de, de faire des publications. Je ne me prendrais pas la tête sur ça. Mais c'est ça. En vrai, j'aurais fait comme avant, je faisais. On un... fait, on dit. Je fais non. un Insta, je fous mes outfits, je fous mes tenues au jour au jour. Ça, je sais que ça fonctionne. Enfin, tu vois Mais non. J'ai Le... envie, envie d'autre chose. Puis... Non, non, non. Mais je trouve que... Alors, ce sais pas pour toi... En ce moment, je trouve que les gens, il y a une dynamique où les gens sont. Il y a du répondant. Et c'est pour ça que je dis franchement force sur vous, cœur sur vous, parce ouais. que si on est encore au quatrième épisode, là, c'est pour tous ceux qui nous ont donné la force en DM, qui nous disent voilà, ils aiment bien ce qu'on fait, continuez ils nous mmh. donnent cet encouragement-là. Euh, alors, il y a un truc qui était trop mignon, quelqu'un qui m'a dit euh, que je connais pas. Hein. Ouais. Euh, ne, continuez, vous allez percer un jour. Il faut que vous perciez tout. Et moi, je lui expliqué, on fait vraiment pas ça pour percer. Non. On, on, on veut juste toucher le maximum de monde, mais on fait pas ça. C'est bizarre hein, de le dire comme ça. On fait pas ça pour percer, mais non, on aimerait bien premier. toucher le maximum de monde. Ouais. C'est ça. On aimerait bien vraiment créer un truc euh, où euh, on, on invitera quelqu'un ici à venir avec nous. Mm. Et bon, pas chez toi. Euh, moi, je moi, je m'en fous. Pas, pas chez toi, mais on y aura, non, y aura bientôt, un Non, bientôt, On a On, a voilà. gars, on parle, pas, pas, parle pas trop fort, pas, pas Non, j'ai rien dit. Juste mais dit voilà, bientôt. le but, c'est que euh, on vous donne la parole. Mm. Nous, on commence hein, pour vous montrer qu'on est vraiment pas. Euh, qu'on qu peut dire ça on à, terre à terre. Voilà, on est vraiment terre à terre. Regardez, la vidéo, elle est partie comment je suis chez moi, je lui ai dit, tiens, j'aurai du temps plus tard, viens, on fait un podcast, on n'a pas de thème, on n'a pas de truc, et les gens vont dire, par contre, c'est pour ça que je te dis que je ne prends pas de parole des personnes, tu vois, il y a quelqu'un qui m'a fait un pavé ouais. en DM sur Insta, en mode, euh, on n'est pas structuré, il n'y a pas de thème, la lumière, c'est n'est pas bon, là, la... il s'est basé sur euh, les, les podcasts qu'on a fait là là le, le son n'est pas bon on comprend pas qui est qui euh, que, que du négatif alors, mais alors tu vois autant, oui je comprends que tu acceptes pas mais autant moi on me l'a dit mais dans, dans une bonne dans façon dans une autre manière je, très bien je suis d'accord parce que et, et je vais t'expliquer mon point de vue final sur ça la mmh. personne m'a donné tout son descriptif et je lui ai envoyé et eh, t'es qui tu, tu es producteur tu as mis de l'argent dans, dans le truc. Mmh. Tu as tapé l'essence, tu as tapé les lumières, tu as tapé le matos. On a fait un truc qui est totalement gratuit pour toi. Et toi, tout ce que tu vois, c'est ça. Donc, bien sûr, il y a des erreurs. Bien sûr, il y a des choses à prendre en compte. Bien sûr, il y avait Mais des oui. manquements, machin et tout. Mais c'est le positionnement dans, dans la manière oui, que le, la personne le se le met que je pot. ne suis pas obligé d'accepter. Ces mêmes critiques, je peux les prendre ailleurs et en mieux. Donc, pourquoi? Je vais me casser les nouilles à accepter ceux qui le disent méchamment. Ouais. Je ne suis pas obligé. Donc, ces gens-là, duck yourself. Tu sais ça non, mais, le truc. Sur, ouais. Surtout qu'en vrai, alors, ces gens-là vont se permettre de nous critiquer parce qu'on va dire qu'ils pensent qu'on est au même niveau, terre à terre. On sur... Mais, gars, quand vous regardez des films Hollywood, machin. Croyez-moi, le nombre de conneries que vous voyez dans les films sans vous en rendre compte. Un technicien qui, paraît, qui apparaît à l'écran. Un micro qu'on voit passer. Voilà, micro comme dans ça. Plein d'incohérences. C'est logique. Dans le cinéma, ils font des erreurs. Bien sûr. Donc ce n'est pas nous qui allons pas en faire. Et, Et nous, je vous rappelle que ça fait que quatre podcasts qu'on fait. Et on en est vrai. en accord avec nos erreurs. On sait qu'on fera des erreurs. Bien sûr. Et on est d'accord avec ça. On est complètement conscient qu'on fera. Et c'est pour ça qu'on ne se prend pas la tête. On ne se bon. prend pas la tête par négligence parce qu'on veut faire les mecs... Euh, qui s'en foutent. On ne se met pas de pression. Non, euh, on, on se met pas de en fait, pression. On fait, voilà, on avance. On apprend des erreurs. Regarde, on n'avait on euh, qu'un on on un qu un micro des... Alors, qu au <laughs> départ. Quand on a vu que c'était stylé et bien pour vous d'avoir des bons micros, j'ai investi, j'ai pris ouais. un micro. Tu passes le micro, t'attends. Oui. Ouais, voilà, j'ai investi, j'ai pris un micro. Là, il nous a dit Ouais, c'est bien d'avoir les casques. Moi, je ne comprenais pas pourquoi ils avaient des casques. Et là, euh, franchement, j'ai compris pourquoi il faut avoir non, des casques. Moi, pas de casque. Donc, euh, ouais bon lui, il prendra son casque après. Mais moi, c'est mort, je garde mon casque. Et voilà, on a non, mis mais un mais casque. On vous ne pouvez, pouvez pas demander une perfection en quatre, on va dire en quatre épisodes. ouais en fait, le problème pour moi, c'est que ceux, ça ne me dérange pas que les gens qui sont habitués avec nous nous, 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 nous demandent quand même. Oui. Je suis d'accord, on ira tranquille. Mais ceux que mais, mec, je ne te connais pas. Tu viens d'où je, te, je te donne quelque chose de gratuit. Ton, ton, ton premier réflexe, c'est d'essayer de me descendre. Je ne suis pas obligé de rester devant toi, en fait. Mais bouge de là. Bah, et on, on, on est parti sur ce, vraiment ce, ce point de vue-là. C'est que je lui ai dit on va être ensemble dans la, pendant la matinée parce qu'on était voir des musiciens et tout. Euh, J'aurai du temps plus tard. Ça me sert à rien de remonter chez moi pour prendre les embouteillages et tout. Bah, tu sais quoi On est là. Viens, on fait un podcast. On n'a pas de thème précis, mais. On a le truc où on parle souvent en échange. Ben viens, on fait un podcast dans ce style-là. Et en ça, c'est un... nous. Il ouais. faut que vous compreniez que c'est un podcast... Alors, peut-être que vous allez trouver désordonné, mais c'est juste, comme je vous dis tout à l'heure, il y a une trame. Il y a une trame. Et lui, comme moi, on est très désordonné. qu'on peut... Alors, ça me fait penser... Je ne sais pas si vous allez comprendre. Est-ce que tu te rappelles des épisodes des Simpsons à l'époque la première partie, et la deuxième partie n'avaient aucune cohérence. C'est vrai. Et eh bien, c'est ça. Le podcast, c'est ça. On commence, on discute. On est là, on parle on de voit, tout et voit. de rien. Nos souhaits, les tontons râleurs, on dit les choses. Si on peut les dire, on les dit et on ne transpirera pas. Si on peut pas les dire, c'est moi qui les dis et vous inquiétez pas. Voilà. Et Mais euh, c'est ça. Hein. Ouais. Mais les. les... Bon. Moi. Les critiques, je les prends si c'est dans un but d'amélioration. Sinon, j'ai pas de problème avec les critiques. Ah, tu dois avoir fait un gros foutage. Ah <laughs> ouais, c'est vrai, merde. Bonne chance. Je sais pas comment ça. Putain, ah, fait tu ça vas te débrouiller. Tu vas mettre un emoji. Tu vas mettre un truc. Tu vas mettre un. Oink. Ouais. Ouais. ce que j'ai pensé <laughs> en plus. Moi, je prends. Je dis pas que je ne prends pas les critiques, mais. Euh je pense me connaître assez en tant qu'homme pour savoir de qui je peux les accepter. C'est ça, en fait. Surtout qu'on ne dit pas qu'on est parfait, en fait. On ne ouais. se... se place pas devant vous en vous disant on est les meilleurs, on est les bestes. Non, ouais. non. Moi, moi c'est vraiment... vraiment j'ai as l'impression que je suis révolté, que je ne vais parler que de ça, mais ça me... Ça, me, non, ça me monte en l'air parce que je, je sais, sais qu'il y a des que gens que ça détruit. Moi ça m'a ah oui. détruit donc je sais que ça peut détruire. Non, des non, mais gens, je c'est je, gratuit. Je sais que, je sais que toi, du c'est coup... complètement gratuit. Tu as des gens autour de toi qui sont là que ils ne veulent que voir ta descente, ils veulent voir la chair, ils veulent voir le sang. Tu te lances dans un truc qui ne veulent c'est pas qu'ils ne veulent pas que tu réussisses, ils, ex... ils exigent que tu n'y arrives pas en fait. Parce que oui, oui. eux ils ne l'ont pas fait où ils trouvent que ça ne sert à rien de le... Tu vois, ils ont un a priori, ils ont une vision du truc, et ils le retransmettent sur toi, et leur but, c'est que tu n'y arrives pas. Moi, ouais, c'est ça oh et oui, je suis pas pas Non, moi, ces gens-là, je ne prends aucune parole de vous, rien, pas un bonjour, un comme... Non, je ne veux pas parler avec vous. De toute façon, je vous ai supprimé, donc en vrai, Je ne veux pas.. Moi, je les vous ai... Même pas, moi, vous... ah, moi, je vous dis direct. Ce genre de truc-là sur mes réseaux, vous êtes bloqué, supprimé. clair. je n'ai pas le temps. Même dans mes, même dans mes commentaires YouTube, hein, ouais. je commence à lire un commentaire, je vois que la personne commence à être désobligeante, elle commence à partir dans des trucs, supprimer, bloquer. Oui, mais tu n'acceptes pas les critiques. Non, j'accepte pas les connards, c'est pas la même chose. Oui. Je ne suis pas obligé de l'accepter dans ma vie. Donc en fait, supprimer, le bloquer. Les réseaux sociaux, c'est que les gens, les gens, alors déjà les gens oublient que derrière la vidéo, tu vois, c'est un humain avec des sentiments, mais ils oublient que. Aussi qu'en face, tu ne ferais pas la même chose. Mmh, non. En face, tu ne serais pas aussi sûr de toi, mmh. si chaud, tu vois. Et un jour, on va faire un podcast, vous allez venir en live, comme ça, vous allez voir. Mais ces gens-là, ils ne viendront pas. Oui, mais on sait, je sais. Ils ne viendront pas. C'est les gens qui ont de la force seulement derrière, derrière, leur, euh, derrière mais... leur ordi, parce qu'en face, ça prend 3-4 minutes pour les démonter. Vois, un truc que j'avais bien aimé. Alors, c'était sur YouTube, et j'ai vu beaucoup qui font ça. Euh, je ne sais plus, qui ça j'ai vu jdg et tout genre euh, ah, ils ramènent j'avais qu'ils qu avaient ban oui ils ramènent les gens ouais. qui les ont insultés les pour... gens qu'eux, ils avaient ban ouais ouais mais en vrai je trouve je trouve ce truc bien c'est courageux personne moi j'ai vu pas vu la vidéo mais moi non plus j'ai pas regardé j'ai pas regardé j'ai vu ce sujet là mais j'ai pas regardé j'ai vu le sujet c'est courageux de faire ça mmh. c'est cour... franchement c'est courageux parce que moi une de mes de mes craintes une de mes peurs c'est me connaissant connaissant mon mon caractère, pas ma personnalité, mon caractère, ouais. c'est que me retrouver en face clairement avec une personne dans ce truc-là, je ne sais pas comment je vais réagir. Parce que je me connais sur ça. En fait, quand tu allies, moi, quand j'allie émotion et réflexion, je ne, je ne sais pas où je peux aller. Je ne ouais, sais je pas, tu, tu vois, je ne sais pas, par rapport à, parce que c'est par rapport à ce que la personne en face va faire, va dire. Je ne sais pas où elle va aller. En, en termes général, quelqu'un me dit euh, euh, Brique ta mère, euh, ça passe." Tu vois, je dis rien. Mais peut-être que ce jour-là, me dire ça, ça passera pas. Ouais, non, mais je vois, je Et pas. je fais tout pour ne pas me retrouver dans ce genre de situation-là en physique quand je suis à l'extérieur avec des gens. J'arrive sur un set, je vois que tu ne m'aimes pas, je m'efface. Bon, tellement... Voilà, c'est ça. Ça glisse sur moi. Je vais m'en aller. Je vais pas rester en ta présence. Et là, je vais faire le mec un peu. Euh... Spirituel, eux ou l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Voilà. Je prends vrai, ça à la lettre. tu dois te monter en l'air, je vais te monter en l'air. Mais, <laughs> Mais en... non, alors en vrai, ça, c'est l'ancien moi. L'ancien moi, il était très brutal. Très. Très, je démarre au quart de tour. Les gens qui me connaissent pourront le confirmer. L'ancien moi, s'il fallait te monter, en deux secondes, je te montais. Maintenant, le moi d'aujourd'hui, c'est un flemmard. Non seulement je suis un flemmard, mais en vrai, je m'en cogne. Tu peux m'insulter, tu peux dire ce que tu veux. Moi, je rentre chez moi, après, je n'existe plus dans ma vie, tu vois. Toi, tu vas continuer à rager sur mmh. moi. Moi, je vais passer à autre chose. Donc, en vrai, je m'en cogne. Après, j'avoue qu'il y a un truc qui peut très vite me faire snap. Si tu dis le mauvais truc au mauvais moment, ça va bien bah, comme ça ouais, mais c'est ce que je t'ai dit, c'est ça. Si tu dis la phrase, non, en fait, ce n'est pas au mauvais moment. C'est que si tu dis la phrase, je vais être très patient, mais très longtemps. Mais à partir du moment où tu vas frotter avec ouais, la limite, une, tu vas limite. dire un truc en trop, je vais te monter en l'air. Plus rien ne passe. Enfin, non, je vais, je vais monter au créneau. Mais franchement, c'est très rare. Moi, c'est clairement les, les critiques euh, mauvaises, désagréables, gratuites, dans, dans l'idée que je dois les accepter. C'est ça, en fait. Ça, ça peut me faire vriller très, très, très vite en société. Tu es là, tu parles avec des gens et tu as une personne qui se permet, c'est clairement ça qui se permet de te balancer une critique dans un ton très désagréable, très hautain. Et toi, tu dois être là et accepter parce que euh, si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu n'es pas assez mature pour accepter les critiques. Mais brique ta grand-mère, brique ta grand-mère. Je n'accepterai aucune critique, aucune parole venant de personnes comme vous. Vous êtes mauvais, vous êtes méchant. Je ne vous aime pas. Oh, C'est moi qui dis ça pour une fois, c'est moi qui ai dit que. Là, c'est pas moi. Pour une fois, vous avez dit que c'est moi qui dis ça. Mais et, ben, pour finir, pour dire, pas finir mais bon, je ne sais pas si on finit, mais hein, pas sur une bonne note. Euh, ouais, je crois qu'il me reste qu'une barre. Oui, vas-y. Euh... Pour si une bonne note, euh, c'est ma... dommage que la bonne note soit sur la fin. Mais euh, tous ceux qui nous encouragent, merci. qui nous balancent les DM et tout et compagnie, mais vraiment, euh, merci, cœur sur vous. Alors moi, je vais parler pour moi j'ai eu énormément de bons retours. J'ai eu plus de bons retours que de. Bon, de toute façon, je les ai dégagés. Mais les bons, les bons retours, les critiques que j'ai eues qui, qui ont permis de voir les choses qu'il faut améliorer et tout. Euh, merci pour ça aussi. Mais en vrai, je crois que j'ai eu que des bons retours. Même quand il y avait des trucs qui dérangeaient la personne, la personne ne m'a jamais fait sentir. Ne me l'a jamais dit en me faisant sentir que ouais, c'est de la merde. Non, tu vois. C'est toujours ouais, c'est bien, mais il y a juste ça qui me dérange. Cool. Mmh. Franchement, cool. Cool. Continuez comme ça. C'est les trucs qui vous dérangent. Dites-le. Hein, ouais, franchement. Alors ceux venez qui... me voir parce que vous serez plus enclin à vous répondre calmement. Je vais, je vais répondre calmement. Hein. <laughs> T'inquiète. Hein. Mais, Mais en euh... fait, faut ouais, savoir ça, comment fait. vous, comment vous venez, vous, vous m'approchez. Si on se connaît pas, vous me connaissez pas et vous estimez que parce que vous êtes sur les réseaux, vous pouvez commencer une vidéo par euh, comme vous voulez, comme si euh, vous me parlez n'importe comment j'irai pas plus loin dans la dans la discussion et pour moi c'est même pas une discussion c'est oh, un débat et j'ai oh, horreur oui. des débats mais par contre si je vous dis pas de flatter je cherche pas des flatteries mais non. il y a une manière de parler aux gens et ce n'est pas parce que vous êtes sur les réseaux que vous avez le droit de parler comme vous voulez à ceux qui sont en face en fait mm. c'est je ne vous ai pas donné ce droit là et je ne vous le donnerai jamais mais j'accepte les critiques il y a une personne qui m'a dit euh, euh, par rapport à c'était par rapport à quoi euh, oui alors, je l'ai compris, sa hein, ça, ça, ça remarque. Elle m'a dit, il ouais. euh, y, y a une différence de colorimétrie. Oui, mais même moi, je la vois. Il hein. y a une différence. Et, et du coup, je lui ai dit, c'est vrai, mais c'est un parti pris que on a, euh, on a accepté, en fait, euh, qui est qu'on a, a trois caméras. Voilà, surtout voilà. Pas les mêmes caméras. On a deux GH5 et un Sony A7R3. Euh, je sais qu'on peut les matcher ensemble, tout ça, mais ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande. Euh, un, beaucoup plus d'implication. Et c'est pas qu'on ne veut pas le faire, mais on ne veut pas arriver pour l'instant à ce stade-là parce qu'on fait d'autres choses à côté. Le podcast, c'est vraiment une, un moment détente où on ouais. parle, on ne se prend pas la tête sur le montage, on se prend pas la tête sur. Euh... On monte petit à petit. Quand on aura plus d'investissement, plus de temps. Plus de gens qui nous écoutent. Plus de je gens, voilà. On, on montera au créneau, crescendo, tranquillement, petit à petit. Mais j'ai pris la remarque, j'ai dit « c'est vrai ». Non, c'est vrai, vrai. On le sait. Là, surtout que je ne sais pas oui. si c'est sur le premier, mais surtout, voilà, quand on avait, je pense que à l'époque, on n'avait que deux caméras. On n'avait pas ouais, deux Sur GH5, le premier, on avait que deux. Donc, il ouais. y avait GH5 et Sony, bah, compliqué à faire match, tu vois. C'est possible, mais, euh, oui. mais ça demande un peu plus de trucs à faire. Et... Après, il faut expliquer aussi qu'on est chez moi, dans un studio petit, donc on ne peut pas avoir une configuration de lumière… Ouais, on ne peut pas avoir euh, un truc ça comme... Ça, c'est compliqué. Voilà. Par exemple, je regarde les retours, je pense que toi et moi, on va avoir un décalage encore. Mais, mais euh, ce n'est pas grave. Pas oui, grave. on s'en fout, ouais, non, mais on, on s'en fou, fout. Ouais. Mais juste pour que les gens comprennent que c'est compliqué. Le truc que j'avais vraiment eu en, en erreur aussi, bah, au final, euh, je partirai avec. Wow. Le truc que j'avais eu en, en erreur aussi, c'est que j'avais une personne qui est venue me voir... Euh, alors, j'ai l'habitude de regarder les podcasts euh, et le vôtre, euh, il ressemble pas du tout à ce qui se fait euh, sur YouTube. Après, que je fasse comme je... Va prendre un ours en hibernation, mord sa queue, et c'est tout ce que j'ai à dire. Parce que Moi, ma mère, dire, ma mère regarde bien. la vidéo, ça va devenir trop vulgaire. La meuf vient me dire en mode J'ai l'habitude de regarder les podcasts sur YouTube. Est-ce que vous faites sur YouTube c'est pas du tout ce qui se fait. Je ne comprends pas pourquoi vous en faites. Supprimer, bloqué Supprimer, bloqué Non, mais surtout, je n'ai pas que ça à faire de façon que tu Supprimé, quel in... Alors, quel est l'intérêt de faire ce qui est déjà fait Ouais, mais c'est au-delà de... Au de ça. Nous, voilà ce que je te propose. Tu rentres dans le magasin, tu as oui. différents trucs. Tu as telle marque, tu as telle marque, tu as telle marque. Tu vas aller, tu vas aller casser les pieds du, du responsable en lui disant Je comprends pas pourquoi Nestlé est fait comme ça et que vous, vous faites comme ça. Mmh. Le packaging, il est censé être bleu et vous avez un packaging qui est blanc. Non, non, non. IFA en loose pété en néon. C'est mieux d'insulter un frérot. Vous n'aimez pas. pas, vous pouvez aller voir ailleurs. Ouais. ouais, ouais. C'est ça que je comprends pas, cette mentalité des gens. Si tu n'aimes pas, regarde pas. Et laisse la place pour ceux qui aiment, qui ah. comprennent l'idée. Ah, qui... Ouais, voilà, et qui veulent avancer. Et qui ne et donc, pas donc, chez on, vous voilà. pour vous dire, tiens, regarde ça. Et on n'a pas besoin de savoir que vous n'aimez pas, au... du style, euh, j'aime pas, je ne regarderai pas. J'ai eu ça aussi. Hein. Ah, j'aime pas, je ne pas. Mais s'il te plaît, prends un espadon et fais-toi un piercing. S'il te plaît. Madame, c'est pas moi. C'est votre fils qui est pas comme ça. Aujourd'hui, c'est moi qui suis calme. Non, mais mes insultes sont très poétiques. Aujourd'hui, c'est lui qui est fâché. Moi, je suis calme. Je ne suis pas fâché. C'est le gingembre. Ah oui. C'est le gingembre avec le piment. Mon gars, depuis tout à l'heure, je fais le mec, mais en fait, je suis en train de mourir là. Ah, moi, ça va. <laughs> je suis en train de mourir. Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens, je ne les comprends pas vraiment. On ne vous force pas. Ouais, c'est de la méchanceté gratuite. Ouais, c'est ça. Moi, ça je, ça je, nous dirais, pas, ça ouais, je dirais. Pas vrai, mais... Et moi, je lutterais toujours contre cette manière de voir les choses. Euh, dis, ouais, mais à ce moment-là, ne viens pas sur les réseaux. Non, s'il te plaît, non, c'est des conneries, ça. Il n'y a pas de ne viens pas sur les réseaux. Ouais, ben, si tu n'acceptes pas les critiques, ne viens pas sur les réseaux. Fous-moi la paix. Non, ton argument, il est bidon. Il est bidon. Il ne sert à rien, en fait. Il n'y a aucune restriction pour venir sur les réseaux. Les réseaux, c'est normalement, on, on vient. Tu fais ce que tu veux de la même mesure que tu fais ce que tu veux, donc de la même mesure que tu es capable, toi, de vouloir venir me dire comme, je veux comme tu veux n'importe quoi à mon encontre, je suis au aussi dans mon droit de t'envoyer bouler. Mmh. Voilà, parce que sur les réseaux, on fait ce qu'on veut. Donc oui, tu décides de m'insulter de, de, de comme tu veux, je ne suis pas obligé de t'écouter. Donc je n'ai pas à mettre ton avis au-dessus du mien. Donc oui, je décide de rester uniquement avec les personnes bienveillantes. Qui ont cette envie d'amélioration, qui veulent apporter quelque chose, euh, non seulement par rapport à ce que nous on fait, mais ça me prouve que c'est des personnes qui, dans leur, la vie en général, sont bons pour le développement de la communauté. Les autres, vous êtes des rats morts. Comme si la personne, elle vient chez moi, là, elle rentre. Ouais, mais. J'aime je... pas, avait... voilà, pas ta déco. Voilà, j'aime pas ta déco. C'est pas comme chez moi, c'est pas comme chez. C'est pas comme un tel et elle s'en va. Ah, je m'en meuf. Mais... Alors, Internet est un lieu public. Voilà. Oui, certes. Mmh. Mais à partir du moment où tu viens sur ma page, sur mon Insta, voilà. sur mon site, tu acceptes mes conditions. On va dire, dans l'absolu. Mmh, voilà. Donc, que chez un tel ça soit différent, c'est sa touche, c'est sa patte, c'est son expression à lui. Chacun est différent. Et puis, vraiment, si tout le monde faisait comme tout le monde. Ah, ben non, c'est flemme. Il n'y aurait, aurait pas d'intérêt, en fait. Flemme. Il n'y aurait pas d'intérêt. Mais moi-même, je me suis même dit que. Si mon entourage ne regarde pas mes vidéos, ce n'est pas grave. Hein. Oui. Tu vois je suis arrivé vraiment à ce stade-là qui est que je sais qu'il y a des gens de mon entourage qui me connaissent, qui savent que je fais des vidéos, machin, YouTube, qu'on fait des podcasts et tout ça. Mais je sais pertinemment que ça ne les intéresse pas de regarder. Ah oui, non, Il n'y a aussi, aucun hein. problème avec ça. Ah non, ça, me pas, hein. moi, ça me dérange pas. Moi, ça ne me dérange tout. pas du tout. Il je... n'y a pas de souci. Il n'y a, la... y a pas de problème. Mais là où je mettrai le mais », c'est qu'ils se permettent de me faire des remarques. Ah oui, non, là et pas... là, c'est là où je dis non, je n'écoute pas. Non. « Tu ne pas regarder cette en fait. info. Voilà, si mais ne me choix, parle pas de ça du coup. Voilà. Ne me fais pas de remarques. Si tu ne t'y intéresses pas, ta bouche jusqu'à la fin. Du style, oui, tu devrais faire comme ça plutôt que comme ça. Non, est-ce que tu as regardé ce que je fais Non, arrache-toi. Ouais. Viens, on parle d'autre chose. On ne parle pas de ça parce que ça va pas. Ça va pas le faire. <laughs> ça va pas le faire tout, du tout, du tout. Par contre, si tu, tu as une volonté d'implication, de vouloir, tu vois, dans la manière que tu vas présenter le truc, parce que, mec, non, mais celui-là, il m'avait fait. Bon, celui-là, il m'avait fait vriller. Celui-là, il m'avait fait vriller, c'était. Ouais, j'ai regardé euh, le début. Tu devrais. Tu devrais mettre une introduction. Normalement, on met un générique. Tu vois, un truc un peu plus dynamique. Et pendant qu'il dit ça, dans ma tête, je suis en train de réciter le psalm 23, frère. Parce que mon gars, au moment où il est en train de me parler de ça. En moi, là, mmh. c'est en train de monter. Je dis non, vaut mieux que tu récites l'Obsom 23, parce que ça va être chaud, là. Donc, j'ai récité l'Obsom 23. Et quand il a terminé, je ne je sais, je sais même pas ce qu'il a dit. Ouais. Donc, euh, j'ai fait. Mmh, mmh. Mais, attends, c'est ça qu'il disait. Non, non. Je ne sais plus. Je sais plus. On parlait de qui. En fait, il y, y a un truc. Les gens ont cette manie. Je ne pas si c'est le mauvais ou autre sur les réseaux sociaux. On n'est pas en live, les gars, sur certaines choses. Je m'explique. Des fois, vous regardez un truc, et des fois, ça m'énerve. Oui, c'est que toi qu'on en parlait. Des fois, ça m'énerve. Parce que la personne va commenter, genre, va rigoler, va commenter un truc, mais je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais, ouais, pas, je ne sais pas quel moment t'as fait rire. Alors, je ne te, je te, je te demande pas... Un rire, détail. Mais on n'est pas en... C'est pas comme si t'étais en live et puis tu, tu, peux, tu peux commenter, et moi, je vais voir à quel moment t'as commenté. Fini toute la vidéo, on regarde tout, et à la fin tu me dis euh... à la fin tu commentes. Mais oui, là, pour le coup, dire, j'ai regardé ta vidéo le début, et il faut... Non, on va jusqu'à la fin, mec. On va jusqu'à la fin. Frère. Ouais, soit tu regardes ou, ou voilà, tu as regardé, tu pas tout vu. Oui. Et tu veux faire un compte-rendu. Ben non, euh, personne ne fait ça. Tes critiques de film, tu regardes le début tu te barres, le film il dure 2 heures, tu as regardé 20 minutes du film, tu dis ouais j'ai tout vu. Non frère, non, prends le oui. temps de regarder les deux heures du film si tu veux faire une critique non, mais dessus. Non, Clairement, je prends, je prends ta critique et tu me dis que, ouais j'ai tout vu, ça, ça, ça. Ou ouais, si oui, j'ai ouais, euh, vu le début, tu dois... Non, t'as Ouais, ouais, j'ai vu, vu ta photo là. Euh, non. Euh, j'aime pas comment tu, tu fais celle... C'est Barm rafael alors. Ben oui. Du style ouais j'aime pas trop quand tu... Ah mon gars, c'est... Ah, non mais, mais c'est nul. À un moment j'ai supprimé, bloqué tellement mais là ça va je me suis assagi je... moi j'ai bloqué supprimé que des vieux influenceurs que je peux plus voir leur tête je suis... vraiment les gens je calcule plus maintenant je les flemme t'as toujours une barre ouais moi ça enregistre toujours ok c'est cool hey, mais, on a euh... fait un bon, un bon stat là de temps c'est bien là on fait des heures quand c'est moi qui dois faire le montage <laughs> ah y a, y a, y a, y a. bon chance yeah. mais ouais non moi ça va être ça va être, ça va être Ou pisse, non, ça tranquille va être et on ne cherche pas à mettre des trucs de ouf. Contrairement à l'autre, où on a parlé de plein de choses, il fallait un petit peu mettre des images. Tu vois, tu vois. Ouais. Là, c'est bon, c'est nous. C'est nous-mêmes, nos souhaits, les tontons râleurs. J'espère que vous avez apprécié le moment. J'espère que vous avez compris euh, le but et l'idée principale de, de notre euh, démarche. En, fait. en vrai, encore une fois, c'était brouillon. Mais... Ouais, c'est vrai. Mais on s'excusera pas. Mais vous, hab... vous vous y habituerez. Voilà, vous, vous allez vous y habituer. Quoi je vais vous quoi je, je vais vous mettre... je vais vous je ne sais pas faire ça. Pourquoi je me suis lancé dans ce truc-là T'as le Je J'ai dit, ouais, là, je vais vous mettre un truc. Mais non, non, je ne sais pas faire ça. Donc, je ne vais pas le faire. <laughs> ah, non, mais. Tu as essayé de m'avoir la dernière fois. Alors, oui, vous oui, me oui. suivez sur Instagram, c'est ici. Là. Vous me suivez sur Alors, ça, Instagram. Tu sais que, ça, ça, tu sais que je sais, que je sais le faire. Chier. <laughs> ça, tu sais que je peux le faire. Ce n'est pas un problème. Bon, mais euh, non, non. Sur Instagram, c'est ici. Mon YouTube, c'est ici. Voilà. Et eh ben vous savez quoi, je vous jure que je vais le faire. Ouais, mais je vais voir, je vais voir. De toute façon, vous savez pas quand que ça va sortir. Enfin quand, ça sortira. Mais voilà. c'est vrai, ça sortira quand ça sortira. Mais euh, non, non 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 je vais faire. Mais vraiment moi les, pour pour conclure les enfin pour conclure. Non, oui. Oui, oui vas-y hein, Fais le mot euh, fin. vraiment, on est en croissance, on est en pleine croissance, en pleine émergence, en pleine on découvre, vous voyez, un truc tout con, on réfléchit encore sur le format d'enregistrement pour optimiser au maximum au maximum ouais. pour que vous ayez le meilleur rendu la meilleure qualité rapport donc, qualité prix voilà. avec nous, toujours on va faire des heures les gars on va faire des heures c'est normal on est comme enfin, le podcast c'est un bébé c'est un nouveau né il a il a quatre épisodes les gars ça fait pas ça fait pas 10... ça fait pas deux, trois ans qu'il est là donc on va foir... on va se foirer à des moments regardez le dernier épisode j'ai foiré les réglages du son c'est pas grave c'est pas grave moi perso ça n'a pas dérangé moi non plus pas plus que ça pas plus que ça mais on va aller de ouais on va monter voilà, progressivement on va monter, parce que les attentes on va vraiment sortir. et au bout d'un moment on sera carte. parfait donc que vous n'aimiez pas c'est pas un souci que vous critiquiez ce n'est pas un souci alors si ça, ça n'en est pas un si c'est une critique constructive, vraiment parce que pensez que alors moi, ça ne m'atteint pas. Je dis clairement, ça ne m'atteint pas parce que je m'en cogne royalement. J'ai pas que ça à faire. Mais pensez que il y a des gens quand vous critiquez une vidéo, là, en général, un truc, il y, y a une personne et même plus souvent, et même plus d'ailleurs, qui sont derrière. Voilà. Il y a Soyez des gens qui sont dans derrière. Il y a des de gens, parler, gens qui vont bosser pendant des heures et des heures, pendant des jours, des semaines, des mois même. il voilà. y a des vidéos, ça reste des projets d'une d'une vie presque. Il y en a, ils abusent. Ouais. Et vous pouvez pas euh, cracher votre venin comme ça ouais, non. tout en sachant que en vrai de vrai, si demain on vous met devant la personne, si demain je vous mets devant moi, vous n'avez pas parlé. Faites-le, hein, si vous voulez, mais faites-le. Ah mais vrai. vous n'allez pas pouvoir avoir, vous n'aurez pas euh, d'auditoire ici pour le faire. Mmh. Moi, moi, je te dis, je suis cash avec ça. C'est pas ici que vous allez venir faire ça. Moi, je vous lirai quand ah, je, je vous, vous direct direct c'est pas ici que vous allez c'est pas non. ici que vous allez voir cette commu un peu euh, euh, toxique négative euh, Ah non, non, les, non, tu non, vois on est ici. non euh, moi si on est direct. en mode chill on Ouais voilà pitante. grave tu là je bois du gingembre je consomme de l'aloe vera première fois de ma vie ça tape des nouilles ça tape des nouilles qui viennent ouais. me déchirer le le bid là donc non vraiment si tu veux parler commente hein en vrai commente Ouais, dis-nous ce que tu penses. Il y aura penses. forcément un de nos deux, On va répondre ouais. sur YouTube, sur Instagram, parce qu'il y a l'Instagram Nos Noswits, ouais, nos qui se présente là. Tu peux venir ici discuter ah, avec non, bah, nous. non, mais attends, je l'ai mis sur les deux là. Ouais, oh, là, oh, là, oh, je l'ai mis en galère. Mais ouais. euh, si tu as, hum, as, voilà. as des idées, voilà, tu as des suggestions d'échanges de, que tu veux avoir avec nous. Si tu veux participer. Exactement. Si tu veux participer. Quand on... Je pense que pour le cinquième, on sera prêt, tu penses hein C'est possible, hein Voir. Ouais, je pense que c'est possible. Pour voir s'il y a un micro, tout et tout. Ouais. Ouais, c'est possible. On, on, on verra si euh, on le fait, l'idée. Tu vois, tu, on lance hein, qui veut participer mm. et on choisira une personne. On, on verra si on peut mettre ça en place. Ouais. Et puis le but, c'est venir échanger, passer un moment en chill. Ouais, on vois, on, on a juste consommé des nouilles euh, tranquillement et puis mm. euh, découvert deux, trois petites boissons et échanger. Voilà. Voilà. C'est ça, nos souhaits les tontons râleurs. C'est ça. Ce soir, c'est moi qui. Ai Dans oublié. la joie et la bonne humeur. Toujours, on vous aime tous, hein. Mais mmh, uniquement ceux qui va, sont ouais, gentils. Non, 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 par contre, là je suis pas d'accord. C'est pour ça que j'ai dit, on aime, on vous aime tous. Non, moi, je vous aime pas. Uniquement tous. ceux qui sont gentils. Mais même si vous êtes même gentil, je vous aime pas. En vrai. Je vous aime grave pas. Depuis le début de la vidéo, j'ai rien dit. Ma caméra va se couper. Sur ce. Allez. C'est que de l'amour. Salut. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Mec, ce soir, je vais chier rouge. Je vous jure que je vais laisser ce moment-là. <laughs> Mec, je suis en train de.